voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Ce soir, tout ce que j'écris est vrai. Philippe Solers, vous nous recevez dans votre bureau aux éditions Gallimard. Et puisqu'on est à la radio, j'avais envie de faire partager ce décor à nos auditrices, à nos auditeurs. J'ai pensé à Descartes dans son poêle et j'ai pensé à Montaigne dans sa tour, dans sa librairie. Là où écrit-il, je feuillette à 7 heures un livre, à 7 heures un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. Mais alors vous, Philippe Solers, quelle description vous nous feriez de votre bureau, de votre librairie ? À mon avis, vous n'avez pas de bureau semblable à celui-ci dans le monde entier. C'est dommage que nous soyons à la radio, mais essayons quand même de parler ce bureau. Vous entrez et vous voyez tout de suite un rouleau chinois que vous regardez comme si c'était une décoration, mais non, ce n'est pas une décoration. Un chinois ou même un japonais rentre et commence à voir que ça se lit de haut en bas et de droite à gauche, et que c'est un poème que j'ai ramené de Chine il y a fort longtemps, un poème d'ailleurs magnifique, où c'est un moine qui vous raconte qu'il a rendez-vous avec un autre moine qui va franchir une montagne, un fleuve, et qui va rentrer dans une région où les oiseaux chantent et où les fleurs s'épanouissent, mais le rendez-vous n'est pas là. Voilà, ça c'est une première chose. Vous avez ensuite votre regard qui se déporte légèrement sur la gauche et vous voyez un tableau qui indubitablement a été fait par un Chinois parce que c'est une grande virtuosité et c'est un empereur qui part à cheval pour quelques missions. Sauf que si vous regardez par qui ça a été peint, vous voyez qu'il s'agit de Giuseppe Castiglione, Joseph en italien, Castiglione, qui était un jésuite, qui s'était donc à ce point fait aux Chinois que vraiment ça, impossible de croire qu'un occidental à l'époque, nous sommes en 1739, n'est-ce pas, 18e siècle, que ce soit pas un Chinois qui ait fait ça. Maintenant, vous retournez votre regard sur la porte d'entrée du bureau et vous avez juste au-dessus de la tête une aquarelle de Rodin, c'est-à-dire une danseuse de l'époque. C'est un Rodin authentique, il ne faut pas le voler. Hein. Puis juste sur la droite, vous avez le premier numéro d'une revue qui s'appelle « L'Infini ». Et le premier numéro, vous pouvez lire le sommaire, je suis trop loin pour le dire, c'est le premier numéro. Vous signez avec l'éditorial avec Norman Mailer. Oui, donc nous sommes en 1983, sauf erreur. Et puis vous avez surtout, ce qui attire à mon avis tout de suite l'attention, si on regarde, une affiche de Picasso américaine, The Last Years, c'est-à-dire 1963-1973, avec là un Picasso en thème de peintre une dégaine, une force considérable. Après ça, vous avez une grande bibliothèque avec des livres, des tas de livres. Tout à fait en haut, vous avez toute la collection de la première revue dont je me suis occupé. C'est la revue Telle Quelle, qui a fait quand même pas mal de bruit et qui est archivée maintenant comme étant tout à fait classique. Vous avez évidemment une muse, cette grande photo de noir qui me rassure toujours, qui est couchée d'une façon extrêmement voluptueuse et tranquille à la fois sur un damier. Vous voyez que faire plus noir ou plutôt faire moins blonde, c'est pas possible. C'est une Olympia de Malik Sidibé. Ça me rassure beaucoup parce que j'évite la blondeur des Valkyries de Wagner. Vous voyez, je ne fais aucune allusion à qui que ce soit. Et là, vous avez une série de livres
un peu en exhibition, si on peut dire. Mon préféré étant le Women, femme, traduction américaine, avec un blurb, vous savez, une sorte de publicité en haut, qui est de l'écrivain américain, qui est un ami, Philippe Roth. Voilà. Donc, ensuite, vous tournez votre regard sur ma table, et là, vous avez un certain nombre de choses qui devraient attirer votre attention. D'abord, un dé, que je vous ai tourné vers le 3. Ensuite, vous avez un éléphant qui m'a été offert de façon très charmante par des Indiens. C'est un symbole de ce qu'ils considèrent comme très profond dans leur mythologie, et surtout un Yoni Lingam, n'est-ce pas, qui est une chose sacrée de l'Inde. Vous avez là une petite reproduction qui me rassure aussi, c'est le portrait du fils ou de Manet, voilà. Mais il ne vous échappe pas que vous avez là deux bouteilles de Bordeaux qui vous font signe. Ce bureau est unique, je vous assure. Et, hein, deux bouteilles de Bordeaux, grand cru, hein, qui vieillissent tranquillement. Je les sens vieillir avec leur saveur, etc. Voilà. Et puis là, vous avez alors à droite, d'abord, un ami très très cher qui me téléphone souvent le matin pour discuter de l'actualité avec moi, c'est-à-dire Voltaire. C'est la biographie de René Pommeau, qui était un homme absolument merveilleux. Vous avez là un portrait de Monsieur James Joyce, un aventurier de premier ordre. Vous avez un peu sur la gauche un dieu grec peint par Picasso. Ça pourrait être Dionysos enfant, par exemple. Vous avez la Picasso torse nu. Voilà, on a fait un peu rapidement, trop rapidement. Il y aurait encore des tas de cases à remplir. Mais ce bureau se situe, vous voyez, à l'intérieur des éditions Gallimard, sur une terrasse très précise. Il est petit, mais il est bourré de signification. Bientôt, au printemps, ce que vous voyez dans le fond, là, le treillis va se remplir de roses qui vont s'épanouir. On ne connaît pas très bien l'intérieur des immeubles du 7e arrondissement de Paris. Il faut rentrer et voir les jardins. Voilà, nous sommes dans une maison d'édition qui a plus d'un siècle d'âge, hein, au 5 rue Gaston Gallimard, du nom du fondateur. Et là, je pourrais vous montrer une folie, comme on disait au 18e, qui a été très très bien rénovée, très bien, et qui est tout à fait dans le style de cette époque. Donc vous êtes tout de suite dans une civilisation étrange. Il n'y a pas d'ordinateur en plus chez moi, non, jamais. Jamais, rien ne doit faire écran à la pensée. Et les gens qui écrivent sur ordinateur, ça se voit tout de suite. Et d'ailleurs, vous écrivez, vous y insistez à la main? J'écris tout à la main. Tutto fatto alla mano. Et ensuite, j'ai besoin de ne rien voir, mais le bruit d'une vieille machine à écrire qui fonctionne encore, je ne sais pas comment, me rassure beaucoup. Surtout pas d'ordinateur. Donc je suis, vous voyez, un homme en pleine perdition qui récuse tout, le numérique notamment, où tout le monde va se précipiter comme dans un océan de déluge. C'est la chose dont je vais vous parler constamment, c'est-à-dire que nous sommes dans un temple de la lecture, et donc de l'écriture. La nuit, vous avez des fantômes extraordinaires, parce que vous pouvez rencontrer des gens qui ne se seraient pas salués dans la vie, qui avaient des oppositions terribles. Hein, je sais pas, Malraux, Aragon, Sartre, Camus, mais seulement ils sont là la nuit et je les écoute chantonner parfois. Mais alors, puisqu'on est dans ce temple de la lecture et donc de l'écriture, comme vous dites, Philippe Solers, j'aimerais qu'on revienne un instant à Bordeaux, à Montaigne, dans un texte que vous lui avez consacré en 1984 qui s'appelait Montaigne le mutant, qui a été repris dans votre théorie des exceptions. Vous écrivez que Montaigne, le premier, signe vraiment en son nom. Il le sait et il l'affirme. Et j'aimerais que vous
partagiez avec nous le souvenir du premier texte que vous avez écrit. C'est surtout la première impression physique que j'ai eue. J'ai été élève au lycée Montesquieu à Bordeaux. J'ai ensuite été élève au lycée Montaigne à Bordeaux. Et ça m'a toujours paru étrange qu'il y ait eu tous ces gens-là, les uns sur les autres. À 12 ans, c'était les promenades du lycée. On emmenait les élèves voir la tour de Montaigne et on emmenait les élèves voir le château de la Brède ou Montesquieu. Voilà. Je me rappelle le saisissement en entrant dans la librairie de Montaigne. Qui était ce type qui avait écrit sur les poutres des formules grecques, latines, etc. Enfin, un cinglé. Pourquoi a-t-il fait ça? Puisqu'il s'était retiré là. Pourquoi s'était-il retiré là? On s'égorgeait sous ses fenêtres. C'était des guerres de religion. Et puis, ce qu'il n'aimait pas, les innovations calviniennes, n'est-ce pas? Montaigne n'était pas du tout religieux, ça va de soi. Mais il voulait pas du tout qu'on se débarrasse du latin et du grec, dans lequel il trouvait la substance d'une renaissance plausible, forte, qui d'ailleurs va arriver, est en train d'arriver. Là, il faudra choisir entre réforme et contre-réforme un peu plus tard. Contre-réforme, on a tort. Il faut parler de révolution catholique. Mais donc, il est là, dans sa librairie, coupé apparemment de tout, au contact des morts. Et on dit toujours, on me reproche parfois de faire des citations, mais des citations, ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves de l'activité de l'esprit qui les fait. Et donc Montaigne, vous ouvrez, et c'est bourré de citations, comme s'il avait peur que tout ça disparaisse. Et le voyage à Rome, ça va être pour vérifier, en baisant la mule du pape, par exemple, oh quelle horreur, ce Montaigne. Non, personne ne lit le voyage en Italie de Montaigne, qui est très important. Et il va aller vérifier que le pape, enfin la papauté, l'église catholique, apostolique et romaine, conserve le grec et le latin. Pour lui, c'est capital. Or, vous voyez la proximité avec notre époque, parce que le grec et le latin, allez le chercher là où vous pourrez. Et ensuite, il ne fait pas que ça, quittant sa librairie, voyageant longuement, passant par Venise, etc., où il va voir un peu des prostituées, parce qu'il faut quand même se renseigner. Donc, il va plus loin, il va à Notre-Dame de Lorette, lieu de pèlerinage pour la Vierge Marie, dont la maison aurait été, dit la légende, transportée par les anges jusqu'à Notre-Dame de Lorette. Évidemment, c'est une fable, mais les fables doivent nous intéresser parce qu'elles racontent quelque chose qui déclenche des cultes, des croyances, etc. Donc, Monsieur Michel de Montaigne va poser un ex-voto au pied de la représentation, un ex-voto, vous savez, c'est des trucs qu'on dépose dans les lieux sacrés pour faire un vœu, voilà. Et là où il est représenté avec sa femme et sa fille, très bien dans la maison de la Vierge. Et en plus, il précise qu'il a communié, là, Montaigne en train de communier à Notre-Dame de Lorette. Mais c'est scandaleux, mais qu'on l'arrête. C'est un tradit, pas du tout. C'est l'auteur le plus libre qui ait jamais existé. Donc c'est très intéressant, et il communie de la main d'un jésuite allemand. Vous voyez, mais Montaigne, ça a été tout de suite au lycée. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir à l'époque de très bons professeurs de lycée, de français par exemple, de latin, qui faisaient lire le héros le local, national, etc. Comme quoi, il faut lire. Mais il faut aussi faire semblant. Et si vous croyez que le président Mitterrand, que Dieu est son âme, lisait vraiment les essais de Montaigne, il n'avait pas le temps, enfin, il a été très pris. Mais il a pris la précaution magnifique de se faire photographier en tant que président de la République par Gisèle Freund. Il a posé
le monarque républicain a posé dans un fauteuil avec les essais de Montaigne à la main. Ce qui quand même est étonnant parce que cette photo a dû être affichée dans tous les lieux institutionnels, donc dans les commissariats de police, donc Montaigne, d'une certaine façon, regardait d'un œil impassible les diverses bousculades des commissariats, voire même les tabassages possibles. Vous voyez, dès qu'on tire un fil de littérature, parmi ces grands hommes, entre guillemets, ou grands hommes, la patrie reconnaissante, il s'en fout d'ailleurs, mais peu importe, c'est là. Et tout de suite, il y a des anecdotes qui arrivent de partout. Et vous, quand vous décidez d'écrire, c'est du grec et du latin, vos premiers écrits, c'est des essais à votre façon ? C'est très marqué par le latin, parce que dès que je vais prendre un pseudo, je le tire d'où ? Du dictionnaire latin. Que j'ai, je pourrais vous montrer mon gaffio, le latin français. J'étais absolument très, très, très attentif au latin. J'étais bon en récitation, par exemple. Inter se, mortales, mutua, vivante, et quasi, curseres, vitail, lampada, tradon. Vous voyez, par exemple, Lucrèce, Virgile, j'étais imprégné de ça. Donc vous voyez bien que c'est un dinosaure complètement disparu qui vous parle, parce que tout ça a l'air très fou. Mais le nom qui m'est venu à l'esprit, je l'ai tiré du dictionnaire latin, c'est-à-dire Solers, Solersia, Solers c'est Solus avec deux L tout entier art, lorsqu'il a fallu publier, vous voyez, parce que j'étais mineur, donc il fallait que je prenne un pseudonyme, ma famille n'était pas d'accord pour que je publie, donc j'ai pris ce nom-là, dont j'avais fait une sorte de personnage. Solers c'est l'homme rusé, ingénieux. C'est Ulysse. C'est du grec Polytropos, c'est-à-dire le surnom d'Ulysse, oui. Habile en ruse, oui. Le type qui est pas facile à saisir, hein, et qui va vivre une odyssée. On va pas arriver à le cadrer vraiment. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez jamais écrit en qualité de Philippe Joyot? Non. Je ne crois pas. Sauf peut-être un article. Non, non. Tout de suite, dès qu'il s'est... Le personnage imaginaire s'est imposé comme pseudo. Joyot, c'est d'ailleurs dommage parce que j'avais quand même aussi présenté les textes à Francis Ponge, que j'ai connu très jeune, qui les avait envoyés à Jean Poulenc, et qui avait répondu d'une façon bizarre. Joyot, nom de grand écrivain. C'est trop. Alors, il vaut mieux tamiser, hein, c'est trop. Alors, si je tamise le célèbre. Comme j'ai toujours été attaqué, qu'est-ce que ce serait si je m'appelais Joyot? Bon. Écrire, dites-vous. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous écrivez dans Une curieuse solitude, votre premier roman en 1958, il me semble que vous écrivez pour atteindre ce qu'on peut appeler la lumière, l'éclair qui à la fois révèle et qui masque les événements, et puis dès votre roman Le Parc, qui va recevoir le prix Médicis, vous vous affrontez, Philippe Solers, à une sorte d'impossible, à un vide. La seule possibilité qui vous reste, semble-t-il, c'est de témoigner de ce que Georges Bataille appelait l'ivresse de la pensée. Pourquoi écrivez-vous ? Je vais vous dire, en fait, je suis un raté de la musique. J'aurais voulu être musicien. Je peux vous improviser très rapidement des petites choses au piano, par exemple, imiter Thelonious Monk, Thelonious Fair Monk, parce que à ce moment-là, je collectionnais des disques de jazz qui m'apportaient une autre tonalité considérable pour moi. J'aurais voulu être clarinettiste de jazz. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une clarinette, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont bien fait, parce que je serais un très mauvais clarinettiste, probablement. Mais alors, avec les mots, on peut peut-être compenser ce ratage dont je suis très conscient. J'aurais préféré être un musicien de très grand niveau. Vous voyez, si j'avais pu jouer du piano comme, je sais pas, Glenn Gould,
Gold, par exemple, que j'écoute en boucle sans arrêt avec Bach ou les dernières sonates de Haydn, ça me ravit. Je trouve que je n'ai plus d'estime que pour les musiciens. Je n'ai plus d'estime du tout pour les peintres qui sont devenus des installateurs et qui ne savent plus dessiner, qui font rigoureusement n'importe quoi dans un marché de l'art dit contemporain complètement... C'est de l'argent qui lui-même engendre de l'argent qui disparaît dans l'argent, etc., etc. Les seules personnes, les gens ne lisant plus, les écrivains sont quand même très très en retard par rapport à la bibliothèque, de plus en plus loin. Comme ils lisent pas. Et pour savoir écrire, il faut savoir lire. Et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Donc voilà. Donc la musique, en revanche, là, on peut pas tricher. Je peux éventuellement vous inviter à ma prochaine exposition de peinture. Ce sera assez vite fait. Je vous fais une installation. Vous continuez à écrire, Philippe Solers. Et alors justement, aujourd'hui, est-ce que vous entrevoyez pourquoi ? Dans quel but ? Dans quel dessin ? Je vous réponds comme Samuel Beckett, comme qui ont posé la question. Il a répondu « bon qu'à ça ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est étrange, c'est que ça dégage une liberté très, très, très étonnante que je suis content d'avoir maintenue. C'est comme s'il y avait une force magique là-dedans qui fait que vous obtenez une liberté, vous publiez, vous décrivez, vous publiez. Au fond, ça s'est pas si mal passé parce que tout de suite on a commencé à dire que c'était plutôt pas mal, hein. Il y a eu des éloges considérables. Aragon, par exemple. Mais, je suis assez content d'avoir tenu bon au point que personne ne m'a jamais dit ce qu'il fallait que j'écrive. Ma famille, ça va de soi. Et encore fallait-il pas montrer les poèmes, d'ailleurs très mauvais, que je pouvais faire. J'étais fait pour entrer dans les affaires de mon père, etc., enfin, pour devenir un homme d'affaires. Voilà. Roland Barthes, qui très tôt vous a remarqué et a écrit à votre sujet, « Notre vie nous vient de nos livres ». Et changer le livre, c'est donc bien, selon le premier mot de la modernité, changer la vie. Or vous, voilà, écrivant, on a évoqué Une curieuse solitude, ce roman qui a quelque chose de proustien, vous en arrivez, je pense notamment à Paradis, à une écriture qui change la littérature, qui change le livre. C'était pour changer de vie, changer la vie ? C'est fait pour plusieurs raisons. D'abord, rester libre. Deuxièmement, augmenter la vie. Vous créez une sorte d'aimantation magique qui fait que, comme s'il y avait une force étrange, un aimant, vous allez faire des rencontres, vous allez faire des voyages, vous allez rencontrer des personnes, vous allez avoir des histoires d'amour. Vous allez tout à coup trouver des partenaires dans le passé auxquels vous ne vous attendiez pas forcément. Quand j'avais 13-14 ans, je lisais avec ravissement la chanson de Roland. Voilà, ça me paraissait étonnant, Roncevaux, tout ça. Donc, c'est-à-dire, vous entrez dans l'histoire, c'est une chose qui est très perturbé aujourd'hui, puisque l'ignorance historique, hélas, se multiplie. Voilà, c'est ce qui a inquiété Montaigne, déjà. Il y a lieu d'être inquiet de tout temps. On n'est pas forcément conscient de la microscopique histoire dans laquelle vous êtes, moi aussi, mais qui rejoint d'une façon ou d'une autre, il faut voir les familles, les arrière-familles, enfin, voilà, qui rejoint la grande histoire, où il s'est passé beaucoup de choses, notamment dans ce tragique 20e siècle. Donc, voilà, ce que j'essaye de faire, c'est garder ma liberté en mettant ma propre histoire au niveau de son interprétation dans la grande histoire. Voilà. J'ai apporté, là, un extrait de Paradis, pour faire entendre cette liberté qui est la vôtre. Vous accepteriez de nous le lire ? Quelques lignes ?
Alors c'est très bien parce que vous n'avez pas mis de majuscule et vous n'avez pas mis non plus de point. C'est parfait. Ce n'est pas... Alors là, oui, ah, nous sommes à Barcelone, je vois ça tout de suite. Ce n'est pas seulement la plaza qui vient d'entrer dans la verticale, mais la ville entière et la terre entière. Et la matière sourde, calée par sa loi, on approche en fait de la déchirure de la croix souillée dans la soie. Silence, le tueur se fend et se dresse, pointe, pied, angle d'œil fermé, assez profilé, point d'épée, le rayon tranche. Il fait nuit, éclair noir laser dans la nuit. On dit qu'à ce moment-là, certains éjaculent, instant chaos pétrifié, l'âme fine, avalant la garde, coup de grâce au cœur, coup nuque. Je me souviens comme ça d'une fin d'après-midi à Barcelone, un dimanche. Avec Dominguine. Ça, c'est en effet mon expérience en Espagne qui a duré pendant des années où j'allais en fin d'après-midi voir les toreros comme Luis Miguel Dominguine qui n'était pas le seul et qui déclenchait alors une féerie. C'est très gentil à vous d'avoir choisi ce passage, puisque vous savez que la corrida est quelque chose qui désormais est interdit, et parmi tout le reste, parce que tout devrait être interdit. Donc, c'est-à-dire que cette plaza de la Monumentale qui avait été fermée, qui est pour moi inoubliable, je revois Dominguine, il était tellement extraordinaire. Il y avait Ordóñez aussi. Il a fini Dominguine par offrir un taureau au public. Je me rappelle ça très bien. Et si vous dites Barcelone, c'était à l'époque une ville. Maintenant, tout est un peu plus triste. Mais c'était une ville qui ne dormait jamais, sauf entre 5h et 5h30 du matin. Vous avez j'habitais sur les Ramblas, là, ville étonnante, ville anarchiste, ville révolutionnaire, ville de Picasso qui venait d'Andalousie, mais enfin là, ville Pablo Casals, ce violoncelliste étonnant, ville très 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 incrustée dans l'anarchie, dans quelque chose d'irrépressible, Barcelone. Oui, oh là. Oui. Ah oui, ce sont de très très bons souvenirs, d'autant plus que j'étais là avec une femme que j'adorais et qui m'accompagnait à la corrida. À voix nue, toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Ce soir, les femmes existent. Philippe Solers, la première fois que je vous ai rencontré, je devais avoir 13 ou 14 ans, c'était dans ma chambre que je vous ai rencontré. Je lisais à cette époque-là à peu près tout ce que je pouvais trouver, et je cherchais en particulier tous les romans qui pouvaient m'apporter une lumière crue, si possible, sur les femmes. Je lisais Sade, jusqu'à Philippe Roth, qui est donc dans votre bibliothèque, pour dire, sur la couverture de l'édition américaine de votre livre « Woman, femme », que si on veut passer du bon temps, on n'a qu'à lire Philippe Solers. Je lisais Bukowski, et je vous ai donc d'abord rencontré, sans doute comme nombre de lectrices et de lecteurs, à travers Femmes. Et c'était aussi l'époque où j'écrivais moi-même mes premiers textes, histoire de séduire les filles. J'ai la chance aujourd'hui d'être dans votre bureau, ici aux éditions Gallimard, face à vous, et donc je me permets cette question. Fallait amener des filles. Qu'est-ce qu'une femme, Philippe Solers? Une femme, ça dépend. D'abord, il faut revenir à ce bon merveilleux de Lacan qui a, dont je suivais les séminaires avec passion, parce que j'ai jamais vu quelqu'un inventer sa pensée en parlant comme lui. C'est le plus beau théâtre que j'ai jamais vu de ma vie. C'était génial. C'était le mardi, voilà. Alors, Lacan, un jour,
dit, il avait des formules comme ça, très. La femme n'existe pas. Alors, j'étais en froid. Ou alors, il disait des choses comme Dieu est inconscient. Oui, que ça peut vouloir dire, oui. Ou alors, il n'y a pas de rapport sexuel. Ah, mais enfin, le rapport, au sens mathématique. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas des actes sexuels. Ou alors, il disait, ça, je trouve ça merveilleux pour aujourd'hui. Il n'y a rien à attendre du désespoir. Il n'y a rien à espérer du désespoir. Oui, ça va être très juste. Voilà. Les femmes, c'est une à une. Pas, il n'y en a pas une qui serait la grande une, la lune de toutes les unes. Non. C'est ce que j'essaye d'établir dans cette enquête très, 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 très précise. J'avais des notes sur, pendant 10 ans, 15 ans. Puis tout à coup, j'ai décidé de faire le roman qui s'appelle « Femme au pluriel », bien sûr. Donc, eh bien, ça dépend des situations. Ça peut être l'enfer, ça peut être un purgatoire, c'est rarement le paradis, mais ça arrive, et puis tout dépend des situations. C'est-à-dire de la façon dont on s'y prend, si on est un homme assez quand même porté sur l'hétérosexualité. Je demande pardon à tous les lecteurs, tous les lectrices qui nous écoutent, enfin, les électeurs, parce que quand même, voilà. Bon, vous voyez, c'est un dinosaure qui vous parle. Et vous dites par ailleurs que les vraies femmes, ça ne court pas les rues, et d'ailleurs les vrais hommes non plus. Mais alors une vraie femme? Une vraie femme, il faut prendre des personnages, et je peux, en effet, les décrire. Et pour ça, en effet, je peux avoir recours aux peintres qui s'y sont intéressés, qui en ont rencontré. Par exemple, Manet, qui de ce point de vue-là est un événement considérable, non pas de l'art moderne, comme on le dit sottement, mais de l'art en tout court. Manet voulait faire Titien, vous comprenez, c'est-à-dire l'Olympia, évidemment, là, tout le monde... S'il y a une vraie femme, ça ne plaît pas à la société, voilà, si elle est vraie. Et donc, c'est le contraire de la convention, c'est la liberté même. C'est assez rare, bien sûr, mais ça se rencontre. Et on les rencontre dans vos romans, Philippe Solers? Je crois. Moi, mon idée, c'était de faire une petite nouveauté technique, c'est-à-dire classer les éléments féminins, comme Mendeleïev, vous savez. Le tableau périodique, voilà. Des éléments. C'est ça. Voilà. Donc, il y a les ultra-négatives, il y a les négatives, il y a les plutôt négatives, il y a les plutôt positives, mais il y a les tiens, étonnamment positives, et puis il y a les suprêmement positives. Tout ça, il faut classer, vous comprenez? Ça dépend des circonstances. Qui ne connaît pas le négatif ne connaît pas le positif. Voilà, c'est tout. Pour une femme aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un homme? Vous savez, je ne sais pas, si vous avez lu les lettres du monarque Mitterrand à sa maîtresse cachée, plus ou moins, quand il a eu une fille. Anne Pinjot, oui. Je vous assure, c'est très... Vous mettez sur la table deux livres. Le mien, Femme, qui intriguait beaucoup le monarque, qui m'avait invité à déjeuner parce qu'il avait senti qu'il y avait là quelque chose de bizarre. Et vous mettez ces lettres à lui, voilà, ce sont des lettres d'amour dans un style plutôt 19e, c'est-à-dire un notable de la République ayant une relation cachée, etc. Et alors, Madame Anne Pinjot, ça se vend beaucoup. Les femmes achètent le Mitterrand amoureux, vous savez. On le voit couché dans l'herbe, comme ça, vous voyez, tout ça. Mais avec ça, non, c'est très amusant. C'est très amusant parce que ce livre a été publié précisément au moment où Mitterrand venait d'arriver au pouvoir, en 1983. Et vous lisez le fait que Madame Anne Pinjot a toujours prétendu, ce que je crois vrai, n'avoir connu qu'un seul homme dans sa vie, François Mitterrand.
elle n'a pas pu comparer quoi que ce soit avec quoi que ce soit. C'est ça qui est un peu pénible. La comparaison... Alors, évidemment, vous allez me dire, mais le libertinage implique qu'on ne soit pas fidèle du tout à quoi que ce soit. Pas du tout, ça est parfaitement compatible. Du même pinceau, Titien vous peint une Vénus délectable, endormie, et puis une Assomption de la Vierge. J'ai vu des moines à la Fenice, à Venise, les moines en arrêt devant cette Vénus somptueuse. Ils étaient là, ils regardaient ça avec passion. Je me suis permis quand même de leur demander s'ils ne voyaient pas de contradiction entre leur ordre et cette splendide créature. Et alors, je les ai renvoyés à l'Assomption de la Vierge, qui est d'ailleurs d'un érotisme tout aussi puissant. Mais parlons justement des premières femmes. Dans votre vie, vous dites « J'ai vécu avec des femmes brunes sur un sol de soie » à Bordeaux. Ça, c'est le poème d'Hölderlin qui s'appelle « Andenken », voilà, donc que je reprends sans arrêt, qui est un hommage aux femmes de Bordeaux, les femmes brunes sur le sol de soie. Non, ça c'est le sujet du premier roman, Une cueille de solitude, qui est pour ça que j'ai été obligé de prendre un pseudonyme. Parce que votre rencontre avec... Enfin, la rencontre d'un jeune homme avec Concha, voilà, une femme espagnole, une belle trentenaire qui s'occupe de la maison de ses parents. Voilà. Elle avait choisi une... Elle était anarchiste, elle avait passé la frontière, elle a trouvé comme couverture une, ce qu'on appelle aujourd'hui employé de maison. Hein, voilà. Et moi, j'avais 15 ans. Quoi, voilà. Ça s'est fait tout naturellement, avec beaucoup, beaucoup d'intensité et un art de la clandestinité que j'ai commencé à apprendre grâce à elle, d'une certaine façon. Mon professeur d'espagnol au lycée était très étonné que mon espagnol était devenu alors vraiment comme une seconde langue. Bueno, vamos a ver. Et donc, j'ai perdu un peu l'espagnol, parce qu'après, je suis passé à l'italien. Mais ça, c'est pas... Donc, c'était une merveilleuse personne, basque. Là, il faudrait faire l'apologie du peuple basque. Et avec ces très curieux rituels que je regardais avec beaucoup, on allait en vacances beaucoup à Saint-Jean-de-Luz, etc. Donc, la chistera, le fronton, cette espèce de dosier, de renvoi, et puis surtout les merveilleuses danses, je ne sais plus si elles sont toujours en actualité, mais moi ce que j'ai vu c'est absolument délicieux, divin, c'est-à-dire la danse qui termine par la pointe du pied dans un verre. Je n'ai retrouvé cette sensation de grâce et de maîtrise acrobatique, et sur les femmes basques qui ont un caractère invraisemblable. Enfin, c'est le matriarcat, quoi. Les hommes se suivent, mais enfin, ils sont tenus très, très, très fermement. Moi, j'y ai vu l'ombre, sans doute de façon trop évidente, de Radiguet, et j'ai pensé à Ardelais. Lourde, lente. Et j'ai découvert en préparant cette émission qu'en fait, Ardelais avait écrit bien après vous ses souvenirs d'enfants initiés par des femmes mûres, bien après votre curieuse solitude. Le coup de la différence d'âge, que je recommande à tous les jeunes gens, mais à l'époque, j'aime autant vous dire que c'était très, très, très mal vu. Ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme calomnieux, la cougar, etc., ou la femme plus âgée avec un garçon plus jeune, c'était mais beaucoup plus condamné encore que l'homosexualité, ou au même titre, hein, attention. Ça reste quelque chose de très, très mal vu. La société n'aime pas ça du tout. Ça perturbe les rapports mère-fils. C'est une approche incestueuse et évidente. Et vous voyez par exemple que Mitterrand avait 57 ans et il était parfaitement dans les clous, si je peux dire. Alors que pour se renseigner, il était aussi assez volage, comme on dit, voilà. Mais il y a là une expérience pour un garçon de cet âge-là, surtout s'il a tendance à se raconter des choses et à devenir
poète, entre guillemets, oui, c'est ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que, puisque vous faites le lien avec votre imagination à cette époque-là, Philippe Solers, à l'instar de ce que Dominique Horry, Pauline Réage, l'auteur d'Histoire d'eau, a pu dire au moment de la publication de votre Curieuse Solitude, vous cherchiez à vous fabriquer des souvenirs dès l'âge de 15 ans avec, par exemple, cette femme de 30 ans ? C'était pas pour fabriquer des souvenirs, c'était pour vivre intensément une expérience. La vie est une expérience. On l'amène ou on ne l'amène pas. Ou alors on se fatigue et on rentre chez soi. Bon, la vie est une expérience. Si on est écrivain, alors d'autant plus. C'est-à-dire, évidemment, tout ça se dit. Le fait d'apprendre une autre langue que la sienne, au sens propre et au sens figuré, apprendre une autre langue que la sienne avec une partenaire, ça change tout. D'abord, vous avez l'argot de la langue de l'autre, qui vous prend tout à fait au dépourvu, et vous avez l'acridité, la sexualité des mots dans l'autre langue. C'est comme un voyage très loin, quelque part, dans une autre contrée. Vous gardez le souvenir d'un de ces mots crus de la langue espagnole ? Oui, echad, éjacule. Je profite qu'on évoque ces relations entre des jeunes gens et des femmes plus mûres et expérimentées pour vous demander de nous lire, si vous le voulez bien, un extrait d'Éclaircie. Heureux les peu nombreux. Ça, c'est très, très amusant parce que c'est Happy Few. Hein, Happy Few. C'est Stendhal. Alors ça... Oui, happy few. C'est devenu un mot constant chez Stendhal. Oui. Et ce qui est curieux, c'est que, vous voyez, l'exergue de Complot, le livre, là, on va retrouver quelqu'un que vous n'attendez pas du tout, qui va vous dire la même chose. Et voilà ce qu'il dit. La véritable pensée de l'histoire, avec un H majuscule, hein, la véritable pensée de l'histoire ne sera reconnaissable qu'au petit nombre. Voilà une proposition assez étrange. Vous savez qui c'est ? Heidegger, Martin Heidegger, ce penseur maudit qui est exhumé et refusillé toutes les semaines. On se demande pourquoi une telle passion. Probablement parce qu'il doit avoir tendance à penser. Alors je reprends. Heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous des doigts de musiciennes. Manet, la femme de Manet était pianiste, comme vous savez, un peu plus âgée que lui. Et le soir, quand Manet rentrait de son atelier, il demandait à sa femme, Suzanne, hollandaise d'origine, de lui jouer du piano. Il avait d'ailleurs une passion particulière pour un musicien, Manet. C'est Haydn. Là, c'est très étrange parce qu'à l'époque, personne ne parle de Haydn. Tout le monde est parti dans Wagner. Lui, c'est le contraire. Il se promène sur les grands boulevards, il drague des filles qu'il emmène dans son atelier pour les peindre, et d'ailleurs, elles ne se sont jamais plaintes de quoi que ce soit. C'était un monsieur très courtois, très cultivé, très charmant, assez beau, très beau même. Et un jour, il suit une femme comme ça, et sa femme était derrière lui, il lui tape sur l'épaule. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, dit Manet, je croyais que c'était toi. Reprenons. Alors, heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous des doigts de musiciennes ou de prostituées séduites. Ça, nous avons le camarade Picasso qui a son diplôme du bordel de la rue d'Avigno à Barcelone, les demoiselles d'Avignon, etc. Donc il a été à l'école très tôt, douce, avec des dispositions probablement exceptionnelles. Heureux ceux qui n'ont pas eu d'initiative à prendre et se sont laissés aller
adolescents à des figures féminines sensualisées. Heureux les peintres et les écrivains qui ont séché la morose école et la barbante université pour enrichir leurs connaissances dans le boudoir des pensées. Heureux ceux qui, plus tard, retrouvent l'éclaircie de leur sœur dans la dévastation générale. L'éclaircie de leur sœur dans la dévastation générale. Alors ça, oui, ça c'est d'abord, c'est un type qui a eu deux sœurs qui vous parlent, deux sœurs plus âgées. Et d'autre part, c'est une allusion latérale au poème fameux de Baudelaire, « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, etc. » Donc, c'est très, très étonnant, « Mon enfant, ma sœur ». C'est très audacieux de dire ça. Et à propos de vivre ensemble, Philippe Solers, vous avez eu une passion fixe, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, et... On n'a jamais vécu ensemble. Elle était là et moi ailleurs. Mais on se voyait très souvent. Oui, bien sûr, ça c'est Dominique Rollin. On s'écrivait très souvent. C'était quelqu'un qui écrivait tout le temps. Hein. Donc on s'écrivait beaucoup. Il y aura un recueil de lettres qui va paraître en octobre prochain. Et il y a en tout, je sais pas, 10 000 ou 15 000 lettres. Donc ça va faire 2, 3, 4 volumes. Il y aura les miennes d'un côté et les siennes de l'autre. Pas mélangées, mais chacun. Donc ça sera alors tout un gros roman, je crois, assez passionnant. Ça commence, j'ai 22 ans, elle en a 45, elle en paraît 10 de moins. Il se trouve que je sais écrire dès l'âge très tôt, quoi, quand même. Et qu'à ce moment-là, c'est un choc de deux écrivains qui s'écrivent. Donc c'est très singulier. Mais alors, vous avez pu évoquer votre première rencontre avec Julia Kristeva en 1966. Elle avait $5 dans sa valise et était venue vous interviewer. Oui, exactement. Elle me demande un rendez-vous, je me dis, voilà, une universitaire bulgare venant de l'Est. Elle avait profité de la politique de gaulliste à l'époque pour pouvoir s'exfiltrer d'un régime totalitaire vraiment très étouffant. Hein. Donc je me dis, bon, alors très bien, on va voir. Et je vois arriver une jeune femme, 25 ans. Et je m'attends à ce qu'elle me pose des trucs plan-plan universitaires, vous voyez? Oh, mais c'était pas ça du tout. Elle avait lu beaucoup, elle était très au courant, et surtout elle apportait du nouveau, c'est-à-dire les formalistes russes, les travaux d'un type qui s'appelle Martin, qui avait fait des tas. Elle était très très au courant. Elle était linguiste. Hein. Elle voulait faire de l'astrophysique. Sa sœur a fait le conservatoire de Moscou, c'est une bonne violoniste, enfin voilà. Des gens très doués pour les langues, je vous apprends rien. C'est-à-dire qu'elle peut vous parler un français absolument impeccable avec une toute petite nuance d'accent mélodieux, slave. Et donc la conversation s'est prolongée, et puis elle s'est prolongée, quoi. Et puis c'est prolongé. Tant et si bien, Philippe Solers, que vous avez écrit ensemble, il y a quelques années, du mariage considéré comme un des beaux-arts. Voilà. Référence directe à Thomas de Quincey, où Thomas de Quincey parle du premier assassinat, parce que c'est l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, bien sûr, par ce fameux mangeur d'opium, où de Quincey écrit que le premier assassinat nous est familier à tous, en tant qu'inventeur de l'assassinat et que le père de l'art, Cain, dut être un génie de premier ordre. Oui. Quelle relation il y a pour vous, pour avoir choisi ce titre, entre le mariage et l'assassinat ? Eh ben, écoutez, en principe, le mariage, c'est quand même infernal. Hein, c'est la croix et la bannière. Ben, y a des gens qui se marient, ouais. Tant mieux s'ils veulent se marier. Mais enfin, c'est pas forcément la chose à faire.
En revanche, à partir du fait qu'on fait d'une formalité une fête continue, c'est amusant. Alors donc il faut que ça se transforme en art, parce qu'il faut pas se brouiller, il faut pas tout ça réclame une diplomatie de tous les instants et donc une conversation et donc quelque chose comme une curiosité réciproque de ce que pense l'autre. Donc on a résolu ça, je crois, à la chinoise, c'est-à-dire que, comme vous savez, un homme et une femme ne font pas un, elles ne font pas deux qui font un, mais sont automatiquement quatre. Hein? Mon masculin, c'est pas son masculin, mon féminin, ce n'est pas son féminin. Et alors, il faut que quatre personnes puissent dialoguer. Il faut parler de quatre points de vue différents à la fois. Et comme ça, ça devient très, très musical, voyez-vous. C'est-à-dire, c'est intéressant. Oui, vous dites que c'est étonnant, le mariage, et en l'occurrence, cette relation exceptionnelle que vous entretenez avec Julia Kresteva, la relation entre un homme et une femme. Mais il y a aussi quelque chose de dangereux, parce que je voudrais qu'on revienne, pour terminer cet entretien, sur ce qui ouvre votre roman « Femmes », vos femmes au pluriel. Le monde appartient aux femmes. C'est-à-dire à la mort, et c'est la troisième proposition qui est importante, le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort, là-dessus, tout le monde ment. Ça, ce qui est intéressant, c'est la troisième proposition. La mort, puisqu'elle donne la vie à la mort, oh, ça va de soi. Avant d'inventer, je ne sais pas, l'utérus artificiel, mais qui sera la même chose, peu importe. Elle donne la vie, donc c'est la mort immédiatement. C'est très, on ne peut pas parler de la mort entre un homme et une femme. To be or not to be n'est pas une formule féminine. Ce serait absurde de vouloir l'imposer. Ça n'existe pas. Il y a deux points de vue complètement différents. C'est ce qu'on appelle la guerre des sexes, qui remonte à la plus haute antiquité. Je ne vais pas vous faire un dessin. L'enlèvement des Sabines, on l'a déjà. Oh oui, oh, bien pire. Bien pire, les Sabines étaient ravies, peut-être. Non. Ajoutez la chose principale. C'est que elle est psychanalyste. Julia Kresteva. Oui. Elle a de nombreux patients, hein. Elle en entend de toutes les couleurs. Elle ne parle jamais de, bien entendu, déontologiquement. Sauf que ça la renseigne beaucoup sur ce qu'il y a au tréfonds de chaque personne, hein, qu'elle voit. Donc elle est très renseignée. Un psychanalyste doit se taire, bien sûr, ou intervenir. Peu souvent, mais de façon décisive. Voilà, je vous parlais de Lacan tout à l'heure, et évidemment, Lacan avait beaucoup d'affection pour elle. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi ? Mais vous allez voir, on va finir comme il faut. Il y a à peu près 6 mois, un an, elle me dit un jour, « Oh, comme c'est curieux, j'ai de plus en plus de patientes et de patients qui se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser le texte qu'ils viennent de lire. » Oh, je me dis, mais alors là, attention, je tends l'oreille. Et je trouve que c'est... Comment ? Mais alors, c'est très intéressant. On passe au numérique, etc. On passe à la communication. Vous avez envoyé combien de SMS par jour, de textos, etc. Le vocabulaire réduit, tout. Attention, voilà, vous lisez un paragraphe, n'importe quel texte de la bibliothèque. Pourquoi pas, pour voir. Mais vous vous rappelez pas ce que vous avez lu. Oh, c'est intéressant, parce que la mémoire n'est plus sollicitée. Si la mémoire, qui est un sport d'assez haut niveau, c'est un muscle. Si la mémoire n'est pas entraînée, ce muscle devient de plus en plus flasque, par conséquent de plus en plus passif. À ce moment-là, vous êtes débordé par l'information instantanée constamment, par la communication. La communication n'est pas le langage dans sa plénitude, c'est autre chose. C'est ce que ça envoie. Vous regardez les personnes autour de vous. Je ne vois de plus en plus de gens qui ne lèvent plus la tête, qui ne voient pas qu'il y a un arbre devant eux, devant elles, qui sont là constamment accrochés, la tête en bas. Et quand on perd la mémoire, ça veut dire qu'on perd aussi la possibilité
de la rencontre et de l'amour, puisqu'on était parti de là. Absolument, vous devenez passif, manipulable, de plus en plus. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Donc, vous êtes de plus en plus passif, donc de plus en plus esclave. Il y a un texte de Voltaire magnifique qui s'appelle « De l'horrible danger de la lecture », où il s'amuse à dire qu'après tout, si vous avez un livre sacré, c'est pas la peine d'en lire un autre. Si vous avez le Coran, voulez-vous me dire pourquoi vous iriez lire Montaigne ? C'est un délinquant djihadiste taré, ça lui suffit d'avoir quelques slogans dans la tête. C'est arrivé à d'autres autrefois. Voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Ce soir, la poésie, c'est la guerre. Ah, brouillage. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Voici quelques messages personnels. Les renards n'ont pas forcément la rage. Je répète. Les renards n'ont pas forcément la rage. Rodrigue ne parle que l'espagnol. Je répète, Rodrigue ne parle que l'espagnol. J'aime les femmes en bleu. Je répète, j'aime les femmes en bleu. Nous nous roulerons sur le gazon. Je répète, nous nous roulerons sur le gazon. Enfin, chaque fois c'est... Tirez-vous les carottes sans cuite ou allez faire sauter ce pont et attention à Rodrigue. Un enfant est forcément sensible, enfin un enfant un peu alerté, parce que je sais pas, mes sœurs ne faisaient pas attention. Les Allemands occupaient le bas des maisons, on écoutait tout ça dans les greniers, assez grand, et dans les caves, il fallait cacher les parachutistes ou les Anglais qui s'étaient écrabouillés pour les faire passer en Espagne. C'était très perturbé, c'était un monde absolument invraisemblable. Voilà, plein dans l'histoire, alors au sens explosif. Et précisément, Philippe Solers, le mot « guerre », qu'est-ce qui signifie pour vous à cette époque-là ? Est-ce que c'est un mot qu'on emploie ? Est-ce que c'est un mot qui vous marque ? C'est pas un mot, c'est une situation extrêmement violente. Où est-ce que la population française, ou son gouvernement, ou son administration, se réfugie en temps de guerre ? 1870, 1914, 1940, à Bordeaux. C'est de là que le général de Gaulle prend son avion pour Londres. C'est chez vous donc, hein, là où vous êtes né. Tout récemment, je me suis dit, ça va recommencer à la Juppé. Et là, bon, guerre, alors, ça veut dire surtout le fait qu'il ne faut pas parler de guerre. Et là, nous sommes en plein dans ce que j'ai reçu de plein fouet, c'est la guerre d'Algérie. Et vous n'aviez pas la possibilité de considérer que c'était une guerre. C'était le maintien de l'ordre. C'était des choses... Les événements. Oui, alors après ça, c'est les événements. Il n'y a pas eu de révolution en 1968. C'était la chienlit ou le désordre. Tout à coup, vous vous habituez à voir que les gens mentent sur la guerre. Parce que quand même, d'une part, prenons-les dans l'ordre, on ne va pas remonter au déluge. La boucherie de 1914-1918, qui est toujours là, purulente, a été quand même abominable. Vous ne savez pas ce que ça a pu être. Si vous voyez des documents, j'aime beaucoup suivre les documents sur les guerres. Bon, si vous voyez ça, les types dans les tranchées, au Picrate, c'est une boucherie épouvantable, extraordinaire. Bon, 1940, alors le grand mensonge est là, on s'est arrangé. Après ça, De Gaulle revient et on fait croire que... Bon. Mais la guerre d'Algérie, c'était absolument impossible d'en parler. Donc ça, j'ai toute une génération qui a été prise de plein fouet. Et à cet égard, j'aimerais peut-être qu'on commence cet entretien avec une nouvelle lecture... Une lecture de votre roman Le Parc. D'accord.
Le parc, 1961. Deux coups de feu viennent de claquer en bas, vers la droite. Les détonations se succèdent à présent, quelques-unes brèves, sèches, d'autres plus sourdes, d'autres en rafale automatique, se gagnant de vitesse, couvertes de temps en temps par une déflagration plus ample, plus chargée. Une fusée éclairante rouge s'épanouit là-bas, le signal. Il s'arrête, crie un ordre, fait un signe. Revenant sur leurs pas, ils courent tous les cinq au secours de l'autre groupe qui vient d'ouvrir le feu. Lui trébuche contre les pierres, tombe, se relève, la paume de sa main droite saigne, se remet à courir, ou bien elle conduit la voiture à vive allure, elle accélère encore, les phares ouvrent entre les arbres un tunnel lumineux, il dévale la pente, alors qu'il est inutile de courir, puisque malgré les mouvements rapides des jambes, je n'avance pas d'un centimètre, je vais être rejoint, mais on retarde le plaisir de m'attraper, me laisse dans cette position humiliante où j'essaie vainement de fuir. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs actions qui se combinent et qui se croisent. Il y a une femme qui est en train de conduire, un homme qui va mourir pendant la guerre d'Algérie. C'est d'ailleurs un ami à moi que je pense. Et je vis aussi, le corps du narrateur vit une situation de paralysie. Ce mort aurait pu devenir un excellent écrivain. Bon, voilà, il a été tué. On le retrouve d'ailleurs, Philippe Solers, ce mort, un an plus tôt, en 1960, dans le premier numéro de la revue que vous fondez, telle quelle, Requiem, aux éditions du Seuil, oui. Et c'est Requiem, qui est un hommage donc à Pierre de Provenchères. Exact. J'ai réagi par la froideur. C'est un texte qui décrit de la façon la plus froide possible un enterrement avec les clichés, mort au combat. Cela dit, toutes les cérémonies de recouvrement de la mort me sont extraordinairement pénibles. Hein. Là-dessus, tout le monde ment. Ça suit le mot mort. Hein. Là-dessus, tout le monde ment. Et vous avez en effet des gens qui visiblement y trouvent une sorte de satisfaction considérable. De recouvrir les cercueils de drapeaux, de dévoiler des plaques. Et qu'est-ce qu'une société par rapport à la mort ? C'est une question très importante, parce que vous allez voir se dessiner à ce moment-là tous les soubassements métaphysiques, plus ou moins religieux, l'appel aux valeurs, lesquelles d'ailleurs je le demande, etc. Parce que devant la mort, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si je peux dire, hein, ou à dire. Or, ça parle beaucoup. Ça parle pour recouvrir, hein. À peine, j'aime beaucoup le vers de Baudelaire, vous savez, les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. C'est un vers qui résonne d'une façon particulière. Mais vous, Philippe Solers, pour, entre autres, échapper à la mort qui était promise à tant de personnes pendant la guerre d'Algérie, vous choisissez, face aux recruteurs de l'armée, de jouer la folie, au risque de sombrer, dit-on, vous-même dans la folie. Il y a quoi dans votre tête à ce moment-là ? Ça a été ric-rac. J'ai passé un certain temps dans un quartier que j'évite maintenant de fréquenter. C'est du côté de la gare de l'Est, l'hôpital Villemain, etc. De là, j'ai été envoyé pour vérification de mon état de santé, dans l'est de la France, à Montbéliard. Après, je me suis retrouvé à Belfort. C'était là qu'on envoyait les cas un peu bizarres. Il fallait trancher. Alors là, j'ai décidé carrément de mettre les choses tout à fait au clair. C'est-à-dire, j'ai commencé une grève de la faim. J'avais dans mon pyjama une lame de rasoir, et si ça avait continué, je m'ouvrais les veines, vous voyez, ça c'est l'exemple latin,
que j'avais retenu. Voilà. Là, j'ai commencé en effet à ne pas répondre, et on m'a mis devant un capitaine psychiatre qui m'a interrogé. Je lui ai répondu. Ben, je suis assez bon, vous savez, faut se méfier. Répondu de façon un peu erratique. Il m'a demandé ensuite de dessiner un homme et une femme. Alors, je l'ai fait avec beaucoup de détails. Beaucoup de détails sexuels, n'est-ce pas? Vous voyez? Et puis, je ne leur ai pas mis de bras. Alors, il m'a regardé, il était devant un cas intéressant. Il m'a dit, il manque rien, c'est vrai? J'ai dit non, pas du tout, qu'est-ce qui manque? Je vois pas. Et ça a marché, parce que j'ai été réformé numéro 2, sans pension, pour terrain schizoïde aigu. Mais j'aurais pu rester là encore plus longtemps. Et je dois dire que c'est à André Malraux que je dois ma libération, alors que je commençais à décliner quand même très très sérieusement, parce que ça durait 3 mois quand même. Et donc, Malraux, je l'ai remercié. Je l'ai remercié et il m'a répondu cette carte de deuil, parce que ses fils venaient de se tuer, je crois. Enfin, voilà. C'est moi, monsieur, qui vous remercie d'avoir pu rendre au moins une fois l'univers moins bête. Signé André Malraux. Bon, ça va, quoi. Si les ministres de la Culture sont à ce niveau-là, moi, je veux bien. En tout cas, il m'a sauvé la vie, probablement, parce que là, j'étais dans un sérieux ennui. C'était ce qu'on appelait la guerre d'Algérie. Il y avait, au moment où j'étais dans les hôpitaux militaires, le retour, c'était la fin. Il y avait le retour des blessés. Il fallait rapatrier tous les blessés d'Algérie. Tombeau pour 500 000 soldats, c'est le titre de mon ami Pierre Guyotta qui à ce moment-là a fait sensation. Tombeau pour 500 000 soldats. Hein, voilà. Eh bien, là, l'arrivée des blessés qu'on ramenait des hôpitaux algériens, c'était tout à fait impressionnant. J'étais assis dans mon lit, j'avais à côté de moi un type qui visiblement avait perdu la raison. Il avait sauté sur une mine. Il venait me regarder dormir. Et alors, de temps en temps, je jouais un peu les yeux. C'était quand même c'est rien par rapport aux tranchées de 1914, 1918. C'est rien. Sauf que ce rien était quand même extrêmement fatigant. Et ce qui m'étonnait le plus, c'était le tutoiement, cette espèce de grossièreté de l'armée, enfin, grossièreté totale. Donc, Et on parle ensemble, dans ce volet de nos entretiens, Philippe Solers, de la guerre. Et à propos du tutoiement, il y a un autre type d'événement qu'on évoquait tout à l'heure brièvement. Ce sont ceux de mai 68. Il était de bon ton de se tutoyer, entre camarades en particulier. J'aimerais savoir comment vous avez passé 68, parce que quand je me suis posé la question en préparant cette émission, je me suis représenté Philippe Solers, non pas sur les barricades, mais dans un appartement parisien, j'ai pensé à Pierre Goldman, qui attendait un coup de fil de Cuba ou du Venezuela, et qui, dit-on, ne s'est pas mêlé à la rue parisienne. Et puis j'ai pensé aussi au narrateur de votre roman Une curieuse solitude, qui est à la fenêtre et qui observe le monde et qui se fond dans le monde. C'est en 58. Mais je vous ai imaginé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors dites-moi si vous étiez à la fenêtre. Ah, pas du tout. pas du tout. J'étais dans la rue, j'étais partout. Paris était dans un état de c'était la grève générale, c'était un marché. Non, c'était Paris était une fête. Non, j'ai assisté à beaucoup, beaucoup d'événements et je me suis retrouvé une nuit coincé. J'ai encore dans les yeux les gaz lacrymogènes, les gens en train de jeter des seaux d'eau avec sympathie pour aplatir un peu les gaz. Il y avait une effervescence qui allait dans tous les sens, peu importe. C'était une effervescence absolument révolutionnaire.
Il y a eu une révolution en mai 68. Hein, c'est pour ça que tout le monde veut, on vous fait peur avec ça, chaque fois qu'il y a un petit truc, est-ce que ça va pas recommencer? Bon, mais non, du point de vue des mœurs, de la vie quotidienne, il y a un avant et un après absolument considérable. On n'a pas besoin d'insister. Et alors pour vous, l'écrivain, parce que vous avez pu écrire dans numéro 116 de la revue L'Infini que vous avez fondée, cette revue qui s'intitule Destin du français, à propos de la langue, le français a cette particularité de vivre dans le conflit, de se prolonger par et dans la crise. Qu'est-ce que le français? Eh bien, c'est la crise, dites-vous, et la crise, par définition, est mobile, inquiétante, inattendue et donc révolutionnaire. Oui, je crois que en c'est quoi vrai. Cette révolution de 68, elle a heurté votre langue, votre verbe? Il faut le voir dans les livres. Il y en a un qui s'appelle H. La lettre H. La lettre H. Ce qui est curieux, c'est que, à part un journaliste qui vivait en Allemagne, personne ne m'a jamais interrogé sur l'usage que j'aurais pu faire du cannabis, dont je faisais un usage tout à fait important. J'ai pas donné ce titre sans penser à ça. C'est curieux, ça n'a pas intéressé personne. Donc, vous avez ça, et puis vous avez ma description de la grande manifestation où j'étais, avec Sartre et quelques autres, pour l'enterrement de Pierre Auvernet. C'est le seul mort de 68. C'était une immense manifestation, la dernière, au fond, en termes révolutionnaires, bon, si vous voulez. C'était très, très émouvant. Je me suis retrouvé donc un soir dans la rue d'Ulm, qui était assiégée, où les types se réfugiaient, il fallait se réfugier quelque part, sans quoi on était tabassé, arrêté, etc. Et là, je me suis demandé ce que j'allais faire. Eh bien, j'ai trouvé. Je me suis fait passer pour un médecin. Peut-être j'ai trouvé un tablier blanc. Et puis, il y avait un type qu'il fallait porter parce qu'il était blessé, etc. Et donc, les flics m'ont laissé passer. Donc, j'ai couru un peu, quand même. Voilà. Par la suite. Et j'en garde un souvenir très, très, très fort. Très, très fort. La première chose qu'a fait l'ancien président de la République qui vient de prendre, comme vous voyez, sa retraite, puisqu'il a été licencié. L'ancien monarque républicain a été licencié. Donc, tant pis. Ouais. Mais enfin, le premier meeting qu'il a fait au moment de sa campagne de 2007, ça consistait à vouloir éradiquer tout souvenir des événements de 1968. Donc, ouais, l'histoire doit être là tout le temps chez un écrivain. Et un écrivain qui ne raconte pas l'histoire de son pays ou l'histoire du monde, son pays inclus dans le monde, bon, vraiment, c'est pas grand chose. Ils se replient sur, encore une fois, sur leurs petites histoires, mais sur leurs circonscriptions. C'est pour parler en termes électoraux. Comme a dit Mandelstam, l'admirable Mandelstam, poète, liquidé par Saline, la poésie, c'est la guerre. Vous ne pouvez pas être écrivain sans faire la guerre, d'une façon ou d'une autre. C'est très passionnant, la guerre. Tactique, stratégie, alliance, retournement des alliances, etc. La vie chez les humains, c'est la guerre. Ceux qui mentent, c'est ceux qui parlent de paix. Il n'y a pas de paix. Ça, c'est, la Bible vous le dira. Méfiez-vous des prophètes qui vous disent la paix, la paix, la paix. Il n'y a pas la paix, c'est la guerre. La guerre est constante. Vous avez des convictions, vous n'en avez pas. Vous avez des adversaires et vous êtes attaqué. Oh là là, je peux vous sortir mon dossier de presse. Il va fumer. Vous ne saurez pas si je suis bon, méchant, fou, etc. Complètement tartignol. Non. Et à propos de vos adversaires, Philippe Solers, vous avez pu vous intéresser à des duels. Je pense à Francis Bacon et Velasquez autour de ce pauvre pape Innocent X. Mais vous, est-ce que vous avez combattu en duel? Est-ce que vous êtes descendu sur le pré pour combattre en duel avec la plume ou avec le pistolet ou l'épée? Mais oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis, puisque je leur fais la guerre, c'est normal. Mais il faut un ennemi à sa mesure que l'on... Oh, vous savez... Que l'on respecte pour le combattre en duel, non? Non, faut réagir à une insulte, par exemple, ou à une calomnie, ou une fausseté, ou... Non, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, j'en suis plein. Donc,
Là, vous n'avez pas contre-attaque. Vous entretiens avec Franck Nouchi, donc chez Grasset, contre-attaque. Voilà. Vous verrez ce que des gens très importants ont dit de moi. Pierre Bourdieu, Régis Debray, etc., etc. Je nomme. Et le livre s'appelle Contre-attaque. Donc, ce sont des duels qui sont pas sur le prêt, mais ce sont des duels sérieux. Là, je réponds simplement à des... Puisque c'est la guerre, évidemment, c'est de la légitime défense. Voilà tout. Et d'ailleurs, la guerre, la grande guerre, il faut lire un peu Clausewitz, qu'est-ce que c'est que le principe fondamental de la guerre? C'est la défensive. Ne pas croire que la défensive, c'est quelque chose où on se tourne les pouces, on se replie, etc. Au contraire, c'est un comble d'activité, parce qu'il va y avoir un jour la contre-offensive. Et donc, qui a su se défendre sera attaqué. Donc, il faut savoir se défendre. C'est un très joli mot, se défendre, je trouve, non? On se défend. Tiens, voilà quelqu'un qui se défend, comme on dit en argot. Hein, voilà. Là, on est dans votre bureau qui ferait un bon poste de défense. Hein. On est en présence de ce poème chinois qu'on évoquait dans notre premier entretien, et puis de ce portrait signé Castiglione d'un empereur chinois, portrait équestre. Vous êtes un grand lecteur de Sun Tzu, de l'art de la guerre, mais la littérature, ça sert d'abord à faire la guerre, oui. Pour paraphraser Lacoste, ou oui, ça sert d'abord à faire l'amour? Parce qu'on s'y perd avec vous, Philippe Solers. Eh bien, ce slogan absurde, faites l'amour, pas la guerre, est idiot. Vous faites la guerre et l'amour. La guerre des sexes. Oui, vous faites la guerre et l'amour. Ce musicien génial qui s'appelle Claudio Monteverdi vous écrit les madrigali guerrieri et amorosi. Guerrier et amoureux. C'est la même chose. C'est la même activité. D'ailleurs, vous aurez plus ou moins de succès avec vos partenaires, bon, dans mon cas féminin, qu'elles apprécieront la façon dont vous êtes un noble chevalier de la guerre. Voilà. Or, ça demande... Ah oui, ça c'est... Les Chinois sont très extraordinaires là-dessus. Pour eux, tout se tient. Voilà. La médecine, la guerre, le gouvernement, ce sont ceux, les 13 articles, les 36 stratagèmes. Vous voyez, ça, ce sont des bouquins que je vous recommande. Si vous êtes fort, faites semblant d'être faible, et si vous êtes faible, faites semblant, au contraire, d'être fort, etc. Voilà. Et il dit notamment, vainqueur en secret. Oui, voilà, c'est ça. C'est votre façon de mener la guerre, Philippe Solers? Si vous avez gagné, silence. Si vous perdez, faites du bruit. Utilisez les médias. Et la guerre du goût, parce qu'il faut qu'on y vienne. La guerre du goût, c'est très le premier d'une série d'essais. J'aime bien ce titre. Publié en 1994. Ouais. Cette guerre du goût, ça veut dire qu'il faut être prêt à engager sa vie, oui. Et donc à risquer la mort, pour le goût aujourd'hui. La mort sociale ou la mort médiatique, ce qui revient au même aujourd'hui, puisque tout se passe dans le spectacle. Bon, voilà. Debord, de ce point de vue, a droit à une salutation émue. Hein, parce que ça peut vous amener au suicide aussi, qui est une façon pour un général qui se sent vaincu de terminer son aventure. Bon. Non, c'est la guerre. Dans la guerre, il faut des renseignements. On a plus ou moins de renseignements. On a un plus ou moins bon réseau de renseignements. Ça demande du boulot. Il faut trouver des gens qui peuvent vous donner... C'est l'espionnage, si vous voulez, au sens le plus classique du terme, mais qui peut prendre des formes très très ramifiées. C'est Shakespeare, c'est Homère qui vous renseigne. Oui, enfin, c'est Balzac, si vous voulez, aussi. C'est très au courant, hein, Balzac. Oui. Qu'est-ce que c'était que les coulisses de la banque de son temps, ouais. Bon, alors, de temps en temps, il faut se renseigner. Il faut voir un banquier...
un banquier tous les mois ou tous les deux mois, qui vous raconte un peu le dessous des cartes, l'envers de l'histoire contemporaine, la façon dont on est en train de vous bluffer par tous les moyens, alors que vous n'avez aucun moyen de vérifier vos informations. Il faut savoir combien de milliards disparaissent, ce qui je claque des doigts en ce moment, où il en disparaît combien, regardez, hop, 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 hop. Hop, où ça, oh, aux îles Vierges, oh, aux îles Caïmans, oh, là, 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 là. Les gens croient avec naïveté que, à ce qu'on leur raconte. Mais parce que votre guerre. Les vrais enjeux sont évidemment financiers. Les marchés financiers ont fait une percée considérable et la suite, retombe en pluie fine. Dans les vies privées, c'est-à-dire tout temps à faire que vous vous teniez tranquille, de façon plus ou moins résignée, avec ce qu'on vous laisse comme peu de liberté, voilà. Votre combat, votre guerre peut-être, Philippe Solers, c'est au nom de cette passion que vous qualifiez de dominante pour le langage, pour la formulation, pour la formule, contre cette contre-passion dominante qu'est l'argent. Écrire, qui est aujourd'hui, pour vous, c'est aussi et peut-être d'abord contre l'argent. Le mauvais goût, la vulgarité. Comment se fait-il que des forces aussi puissantes engendrent un tel mauvais goût, une telle perte du goût? C'est ça qui m'intéressait. On ne fait pas une tyrannie avec de la dentelle. On vous recouvre tout ça de tas de bavardages, mais en fait, c'est d'une violence extrême. Il faut quand même que quelqu'un prenne le risque d'ouvrir les yeux. Enfin, voilà. Peu importe que ça n'ait pas de succès ou que ça vous donne une très mauvaise réputation. Voilà. Peu importe. Faut le faire parce que tout simplement, ne rien faire, ça serait collaborer. À voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Ce soir, Folie française. Philippe Solers, le 28 janvier 1999, à la une du Monde, on trouve un article de votre plume dont je vous laisse nous lire un extrait. La France moisie. Elle était là, elle est toujours là. On la sent peu à peu remonter en surface. La France moisie est de retour. Elle vient de loin. Elle n'a rien compris ni rien appris. Son obstination résiste à toutes les leçons de l'histoire. Elle est assise, une fois pour toutes, dans ses préjugés viscéraux. Elle a son corps, ses mots de passe, ses habitudes, ses réflexes. Elle parle bas, dans les salons, les ministères, les commissariats, les usines, à la campagne, comme dans les bureaux. Elle a son catalogue de clichés qui finissent par sortir en plein jour, sa voix caractéristique. Des petites phrases arrivent, bien rancies, bien médiocres, des formules de rentiers peureux, se tenant au chaud d'un ressentiment borné. Il y a une bêtise française sans équivalent, laquelle, on le sait, fascinait Flaubert. L'intelligence en France est d'autant plus forte qu'elle est exceptionnelle. La France moisie a toujours détesté pêle-mêle les Allemands, les Anglais, les Juifs, les Arabes, les étrangers en général, l'art moderne, les intellectuels coupeurs de cheveux en quatre, les femmes trop indépendantes ou qui pensent, les ouvriers non encadrés et, finalement, la liberté sous toutes ses formes. Philippe Solers, cette France moisie, c'est donc cet article que Le Monde met en une le 28 janvier 1999, il y a donc 18 ans. Comment vous expliquez que ce texte ait
toujours une telle actualité aujourd'hui? Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu après avoir publié ce texte? D'abord, il paraît en une du Monde, autrement dit de la Pravda, n'est-ce pas? Ensuite, je touche au nerf sciatique fondamental de quelque chose qui va évoluer. C'est comme si je n'avais écrit que ça. Ça fait à peu près 3 pages dans mes œuvres complètes. C'est comme si je n'avais écrit que ça dans ma vie. C'est beau. Alors donc, j'ai touché quelque chose, puisque à peine l'article était paru, que des protestations, ça a été un tollé. J'ai entendu de tout, par exemple, Jean-François Kahn, pendant des mois, répétant sans cesse que La France moisie de Philippe Solers était un texte maurassien, un texte de rebatté, un texte fascisant, donc, voyez, c'est ça, extrémiste. Alors que pas du tout, je ratisse très large. Tout récemment, vous avez entendu le candidat à la présidence de la République, François Fillon, s'en prendre à ceux qui parlent de France moisie. Enfin bref, ça n'arrête pas. Et encore une fois, je n'ai jamais écrit rien d'autre. Le problème, c'est que c'était un article violemment patriotique, justement. C'est-à-dire que tout le moisi devait être décapé par une espérance nouvelle, c'est-à-dire la création qui a eu lieu au XXe siècle. C'est ça que je dis, en fait, dans cet article. Et la France moisie, elle veut pas de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Elle a honte, elle est repliée, elle se replie de plus en plus. Et voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'a jamais été analysé à fond, historiquement, en France. Oui, vous aimez dire, Philippe Solers, que la France que vous aimez, en tout cas, vous dites la France moisie, ce qu'elle n'aime pas, c'est l'innocence, la gratuité, l'improvisation et le don des langues. Toutes choses que vous défendez, oui, dans vos combats, dans vos contre-attaques. Cependant, il y a un auteur français qu'on retrouve dans vos complots, qui est Louis-Ferdinand Céline. Et au début du voyage, il y a cette conversation, on se pose la question de ce que c'est que la race française. La race française, ce grand ramassis de miteux, venu vaincu des quatre coins du monde, il ne pouvait pas aller plus loin à cause de la mer. Vous vous sentez aussi De l'océan. De cette race française? Non, le mot race est absent de mon vocabulaire. Il faut replacer tout ça dans l'époque où c'est écrit, avec toutes les conséquences dans la vie même de Céline. Comment il a pris feu, etc. Ça nous entraînerait à examiner bien les dates avec précision. Quand j'écris ça, moi, nous sommes en 1999, sauf erreur. C'est-à-dire, ça n'est pas en 1937, 38, 39. Qu'est-ce qui s'est brusquement décalé, là? Mais voyons, enfin quand même, qu'est-ce qui se passe en juin 1940? Il va y avoir un armistice signé par le maréchal Pétain avec l'occupant nazi. C'est tout simple, hein. C'est ça le vrai problème. La honte de la défaite après, voilà. Alors après, ça va être la honte de la collaboration avec quand même un des systèmes totalitaires les plus hallucinants du monde, mais aussi l'émergence d'une autre collaboration, enfin, avec le Parti communiste français qu'il va falloir ingurgiter avant que arrive un personnage considérable dans la manœuvre, qui n'est autre que le président Mitterrand. On a gagné, qui a pour mission d'avaler le Parti communiste, c'est fait. Mais alors, attendez, le travail n'est pas fini. Il faut maintenant reprendre toute l'histoire et éliminer tout ce qui a pu se déclarer socialiste sur plus d'un siècle. Enfin, est-ce que vous imaginez le travail? Vous imaginez ce travail qui se fait en France? Et c'est pour ça que c'est ce qui se passe en France qui est intéressant. Dans aucun autre pays, vous n'avez une remise en question historique. Pour quelle raison?
mais parce que la France est le pays de l'histoire. C'est le pays de la Révolution française, unique en son genre, partout imité et jamais égalé, des prises de pouvoir. Certes, il faut lire le livre magnifique de Jean-Claude Milner qui s'appelle « Relire la Révolution française » où il démontre que c'est un événement gigantesque, énorme, qui a toujours été fossoyé, recouvert, etc. Mais alors vous, Philippe Solers... C'est pour ça que c'est intéressant d'être français, et un écrivain français, voilà. Mais vous, Philippe Solers, vous aimez citer à propos de la Révolution ce mot de Baudelaire. La Révolution a été faite par des voluptueux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut retrouver la volupté contre ce que vous appelez l'arraisonnement de la question sexuelle par la politique? Oui. Il faut retrouver la volupté? Il faut la continuer, pas la retrouver. Si on l'a ou on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, on va pas la prendre. Hein, c'est... Il est certain que l'oubli organisé au 19e siècle, systématique, du 18e siècle français, est quelque chose de tout à fait ahurissant. C'est le peuple de la sensualité ou de la sexualité, appelez ça comme vous voudrez, le plus étonnant, le peuple le plus libre du monde. La France moisie s'achève par cette phrase, à savoir que je suis un Européen d'origine française, qui aura un jour, dans un dictionnaire chinois, c'est en cours, la définition suivante, Philippe Solers, écrivain européen d'origine française, qui très tôt et presque seul s'est intéressé passionnément à la Chine. Et donc, tout ça, c'est très clair. Pour moi, c'était Londres, et puis après, ça a été la culture chinoise qui s'éveille et qui est en cours. Qui est en cours très, très, très lentement, très bien, voilà, les châteaux à Bordeaux, etc. Voilà. Tout ça se passe sans un mot, alors que, évidemment, il y a une résistance considérable de tout un socle qui est en cours de liquidation. Mais alors, avant qu'on prenne la route de l'Extrême-Orient, de la Chine, à la façon, sinon de Marco Polo, peut-être des jésuites, j'aimerais qu'on reste encore un instant en France. Cette France révolutionnaire, cette France du XVIIIe siècle que vous aimez tant, Philippe Solers, elle était non seulement voluptueuse, mais elle avait aussi ce que vous appelez une langue pensante. Et je crois que livre après livre, c'est ce que vous cherchez à cultiver et à inventer, une langue pensante. Vous avez le souvenir d'instants, de moments où vous avez eu le sentiment de penser avec la langue, ou des sortes d'eureka dans votre bureau ici, aux éditions Gallimard ou ailleurs? Voltaire, ça s'appelle. Voilà, on va se tenir à ce nom. Hein. Le malheur des Français actuels, c'est de ne plus savoir à quel point leur langue a été essentiel à l'Europe. Tout le monde parlait français. Tout le monde voulait être aussi civilisé que la France. Hein. C'est depuis que vous avez une communication à base de petits circuits de basic English ou basic American. Hein, voilà. Donc c'est la sensualité française s'est exprimée à travers des monuments. Quand Baudelaire, quand est-ce qu'il écrit ça, Baudelaire? La révolution a été faite par des voluptueux. Hein, il avait des raisons d'écrire ça, puisque son père était un curé défroqué qui avait choisi de s'installer d'une façon plus confortable. Hein. C'est dans un projet de préface aux liaisons dangereuses de Laclos. Il est à Bruxelles, il va sombrer bientôt, voilà, et ça l'intéresse. Donc Baudelaire, en 1867, il est mort là, voilà, il meurt complètement marginalisé. Mais qu'est-ce qu'il vise? Il dit voilà, la révolution a été faite par des voluptueux. Autrement dit, on a oublié qu'elle avait été faite par des voluptueux. Moi, ça me parle immédiatement. Pourquoi je suis de Bordeaux? Vous imaginez, j'ai pas besoin de vous faire un état des lieux de la région. Je suis révolutionnaire parce que je suis girondin. La censure scolaire, politique, constante, porte sur le parti girondin.
La Révolution est un bloc. Vous me copierez ça 500 fois. Et c'est signé Clémenceau. Dès que vous voyez un homme politique se réclamer de Clémenceau, il y en a toujours, hein, qui va s'agenouiller devant la statue de Clémenceau, qui est un personnage extraordinaire, mais qui avait du goût, parce qu'il était ami avec Claude Monet, les impressionnistes sur lesquels tout le monde crachait à l'époque. Attention. Donc, la Révolution est un bloc, c'est une faribole. C'est-à-dire que ça consiste à dire que il n'y a jamais eu un parti girondin. C'est-à-dire quoi? Fédéralistes, c'est-à-dire des gens qui avaient une autre perception de la Révolution. Donc, à partir des massacres de septembre 1792, la Robespierre se rend compte qu'il va falloir organiser un comité de salut public, parce que les massacres, on va en avoir marre bientôt. Hein. C'est Carrier à Nantes, les mariages républicains dans l'eau. C'est Fouché qui va devenir policier de Louis XVIII et ensuite de Napoléon. C'est à Lyon et c'est Tallien à Bordeaux. Voilà. Donc Robespierre va comprendre qu'il faut créer une sorte de religion de substitution. C'est l'année pour 89 pour le bicentenaire de la Révolution française que j'écris un livre qui s'appelle Sade contre l'être suprême pour remettre un peu de décence dans le spectacle, un grand spectacle organisé par le président Mitterrand dont l'ambition est très claire, c'est-à-dire d'étouffer tout rappel de la Révolution française. Alors, nous sommes sur cette voie absolument ahurissante d'une république qui ne sait plus de quelle prodigieuse invention et énergie elle a surgi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les Allemands, Hegel en l'occurrence, qui a compris ce qu'était la Révolution française. J'accuse, comme dirait quelqu'un d'autre, l'enseignement d'avoir falsifié la question de la Révolution. Or, c'est très important parce que si on n'apprend pas ça dans la langue même où elle a été écrite, alors on devient d'une passivité extraordinaire dans la mondialisation. Vous avez une preuve magnifique de ça. Vous avez en Pléiade les orateurs de la Révolution. Vous savez que ces gens ont beaucoup parlé. Ils ont fait des discours et des discours et des discours. Ils étaient très, très, très forts dans l'usage de la parole. Ils jouaient d'ailleurs à partir d'un certain moment leur vie. Ils descendaient de la tribune de la Convention. Ils étaient immédiatement arrêtés, exécutés. Notamment mon camarade Vergniaud de Bordeaux, 40 ans, qui a dit cette chose sublime alors que tout le monde l'empêchait de parler. Ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison. Ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison. Ça devrait être su par tout le monde, ça, hein, à l'intérieur du bloc, que ce bloc m'écrase. Donc, ça m'écrase parce que on ne veut pas entendre la raison. Mais alors, votre façon un peu sadienne, Philippe Solers, d'appeler les Français encore un effort pour être républicain, c'est de faire encore un effort pour la littérature. Et dans cet effort, vous qui avez, vous l'avez rappelé, vécu intensément la collaboration, la Deuxième Guerre mondiale, la France de Vichy, et la honte qui s'ensuit de ne pas avoir reconnu cette histoire, d'avoir voulu croire que la France était du côté des vainqueurs alors qu'elle avait été bel et bien vaincue. Votre façon de faire, c'est de signer en particulier les Folies françaises. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel état d'esprit vous signez ces Folies françaises qui sont, comme dites-vous, un renversement de la France juive, ce best-seller de Drummond? Bien sûr. J'ai vu tout de suite quel problème posait le fait de publier chez Gallimard le titre rouge sur fond blanc, Les Folies françaises. Il s'agit tout simplement d'un morceau de musique très beau de Couperin. Donc, c'est un musicien français de la plus grande stature. À peine avais-je publié ce livre, j'ai vu que se détachait ce mot française, de façon qui gênait horriblement tout le monde. Comme c'est étrange. Qu'est-ce que c'était que ce livre? C'était une visite
inspiré, je crois, dans le fond de la culture française, et pour célébrer entre un père et sa fille, n'insistons pas sur le fait que ça va s'entendre mieux que bien avec son père. Non, non, passons vite. Mais enfin, il en profite, si j'ose dire, pour la faire son éducation sur la France. Mais écoutez, j'ai senti que ça ne passait pas. Alors, c'est le livre le moins Front National que vous pouvez lire. C'est au contraire la contre-attaque sur le terrain même où il faudrait agir. Alors, vous avez à la place de ce vide sidérant, en effet, le retour de la France moisie, qui a toujours été là et qui n'attend que ça pour se manifester. Voilà quel était le but des Folies françaises. Vous n'avez pas dit le mot Philippe Solers, mais il y a au cœur de ces Folies françaises une relation incestueuse entre ce père et sa fille. Vous qui avez pu vivre et célébrer les relations d'un jeune homme avec une femme d'âge mûr dans Une curieuse solitude, votre premier roman, est-ce que vous vous êtes senti incestueux à l'égard de la France ? Est-ce que c'est voilà la mère patrie ? Vous entretenez une relation incestueuse avec elle. Ma mère n'a rien à voir avec la patrie. Parce que patrie, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, n'est-ce pas ? Vous avez ça au Panthéon. Hein, voilà. Où on fait rentrer en catimini une, deux ou trois femmes maximum. Voilà. Il y a un livre de moi qui s'appelle « Femme ». Vous trouverez absolument tout ce qu'il faut pour savoir comment je me suis débrouillé dans ces époques sombres, hein, de refoulement, de préjugés, de résignation, qui sont de retour. Qui sont de retour, c'est-à-dire il y a une sorte de morale, de moraline, comme dit Nietzsche admirablement, de la moraline. La moraline, ce sont des clichés qui sont là partout à chaque instant. Vous réduisez quelqu'un à une étiquette vite trouvée, vite expédiée, tout simplement parce que la pauvreté du langage s'accentue, etc. Incestueux, bien sûr. Il faut l'être au berceau, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ça dépend des mères. Alors là, de la mienne, je pourrais vous dire beaucoup de choses, à savoir que c'était un être absolument charmant, qui parlait très bien, qui avait un don d'imitation considérable. Elle pouvait vous faire une petite scène à la Molière. Ah, Molière, oh mon Dieu, celui-là, hein, il fait rire encore le monde entier, si. Voilà, Molière, l'amour médecin. Voilà, pièce de Monsieur de Molière. Oh, que j'aime Molière. Qu'est-ce qui nous manque Molière devrait se présenter à la présidence de la République française. Ça changerait, voyez-vous. Là, pour l'instant, c'est plutôt Guignol. Mais voilà, c'était un être absolument charmant et très, très désinvolte, très ironique. Car la fonction de la langue française, je disais Voltaire, mais c'est ça. Si vous ne comprenez pas le deuxième ou le troisième degré, vous êtes perdu. Or, l'ironie est quelque chose qui n'est plus compris. Il faudrait insister. Il y avait autrefois les points d'ironie dans la marge. Attention, je suis ironique. Sinon, je suis lu au premier degré. Oh mon Dieu, il a dit ça, c'est effrayant. Mais tu dis non, c'est pas moi, c'est dans situation un personnage qui dit ça. Enfin, ça suit, il y a un dialogue. Il y a une capacité de dialogue dans la langue elle-même. Le problème, c'est quand même, qui saura encore lire dans le temps qui vient. Mais alors pour savoir lire et par conséquent savoir écrire, Philippe Solers, il faut savoir vivre. Et ce qui vous a aidé, vous avez pu le dire et le rappeler, c'est d'avoir appris le latin et le grec. Et alors le latin, ça me fait penser à, je vois chez vous ce que j'ai retrouvé en lisant Roland Barthes dans ses mythologies, ce qu'il appelle la frange obstinée des acteurs américains dans les péplums. Vous avez pour moi cette frange obstinée des Romains. Et justement, Barthes de dire, mais pourquoi, jusqu'à Marlon Brando, dans les péplums, les Américains ont-ils cette frange obstinée sur le front? Et il dit, mais c'est pour signifier, afficher la romanité, l'évidence d'être à Rome autrefois. Est-ce qu'avec vous, écrivain européen d'origine française, on est aussi à Rome autrefois?
bien entendu. C'est pourquoi le péplum hollywoodien a-t-il sauvé d'une certaine façon cette question du buste impérial, hein, bon. Il y avait quand même des problèmes parce que les chrétiens étaient mangés par les lions, etc., etc. Néron est un personnage tout à fait fabuleux qui fait brûler Rome. Il joue du luth en récitant ses poèmes qu'on n'a pas gardés. Il dit quel artiste périt avec moi. Oh là là, oh là là. Enfin, ça flambait sec, hein. Voilà. Donc Rome a marqué évidemment enfin, tous les esprits, y compris ce qu'il faut bien appeler l'Église catholique, apostolique et romaine, qui est l'objet de tous les ressentiments. Rome, unique objet de mon ressentiment. Oh là là! Et on en parle, et on en parle encore, et on en parle toujours, et il y a toujours un pape, alors un jésuite pape, ça s'est jamais vu, ça, c'était, mais ils exagèrent. C'est ce repère de pédophiles vicieux, de pervers, etc. C'est le repère de l'abomination, de la moraline n'en finit plus sur ce sujet-là. Voilà, c'est très amusant. La guerre religieuse est très importante, notamment en France, bien entendu. Le Voltaire avait une crise de nerfs tous les soirs tous les soirs on célébrait l'anniversaire, si j'ose dire, de la Saint-Barthélemy. Vous savez, c'était quand même un événement tout à fait tragique. C'était une guerre de religion extrêmement importante. Alors, mais le traumatisme est là, bien entendu. Traumatisme, bien sûr. Mais j'aime pas beaucoup Rome. C'est une ville magnifique, bien entendu. Mais ça n'est pas la ville de la liberté esthétique. La ville qui concentre absolument tous les sens à la fois, c'est-à-dire surtout l'ouïe et la vue, la musique, la peinture, l'architecture, ça va de soi, c'est Venise. Donc les ports. Je peux mal vivre si je ne suis pas près de l'eau. C'est Bordeaux, Venise, Barcelone, où j'ai été très heureux dans ma vie sentimentale. Une ville que j'aime beaucoup, c'est Hambourg. Hitler n'aimait pas aller à Hambourg, c'était une ville trop anglaise, etc. La ville des ports n'est pas la ville du centre. Nous sommes désormais, vous en êtes bien conscient, dans une municipalité française de Corrèze, en gros. Hein, c'est pas, vous êtes dans un conseil municipal permanent qui procède à des élections pour changer le conseil municipal. Hein, c'est pas la France de Louis XIV ou de Napoléon qui vous parle. C'est le conseil municipal de la région ou de la petite localité de la région avec les fonctionnaires qui fonctionnent. Bon, pourquoi pas? La France se vit comme une municipalité, avec des querelles intestines, où les gens se déchirent parce que c'est tout le monde veut être président du conseil municipal. Voilà. Vous occupez quel rôle dans cette vie villageoise? Vous êtes le chaman? Non, pas du tout. À l'écart, justement? Je suis dans ma tour, qui n'est nullement une tour d'ivoire, mais qui ressemble beaucoup à celle de Montaigne. Pas du tout la même époque, mais même situation d'urgence. L'état d'urgence pour Montaigne et pour moi, c'est de préserver absolument la bibliothèque, les traces, l'archive. Hein, ça n'est pas du tout être conservateur. Bien au contraire, on attend une époque plus favorable pour se faire entendre. Ou autrement dit, si vous transposez, ça peut durer longtemps, la télévision, BFM TV, tout le temps, les primaires et toutes ces conneries. Bon, tous ces discours en boucle, qui sont, et si on les traite avec ironie et distance, c'est stupéfiant. Vous voyez des journalistes qui sont en train de commenter les commentaires qu'ils viennent de faire, alors que le matin est déjà loin, que la soirée s'annonce et que demain, ça sera tout encore autre chose, bien que ce soit toujours la même chose en boucle. Voilà, vous avez quelque chose qui ressemble en effet à du gothique hyper moderne. Voilà, mais c'est gothique. À voix nue. Ce soir encore, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Tout de suite, l'infini. Pour
le dernier entretien de cette série qui va marquer la fin de cette conversation. Philippe Solers, j'aimerais qu'on parle de l'infini. L'infini, c'est évidemment vous concernant cette collection et cette revue que vous avez fondée en 1983, après avoir fondé la collection et la revue telle qu'elle en 1960. L'infini, ça commence donc avec ce numéro 1 dont la couverture est accrochée ici dans votre bureau, en 1983, au moment où vous faites paraître également votre roman Femme. Cependant, j'aimerais qu'on revienne à peut-être ce qu'on pourrait appeler après London, chez vous, l'appel de l'infini. Parce que j'ai retrouvé cette phrase dans Une curieuse solitude, votre premier roman, en 1958. C'était donc maintenant dans ma chambre que l'infini me semblait saisissable à son tour. L'infini n'a pas de fin, par définition. Donc, il y a des moments où quelque chose est fini. Mais il y a des débuts pour l'infini ? Non. Il n'y a ni commencement, ni fin. Voilà. C'est difficile à imaginer, parce que votre stèle tombale est déjà prévue. Il y aura la date de votre naissance et la date de votre mort. Ce qui est purement absurde. Enfin, les Chinois datent d'un an avant la naissance, et puis peut-être que votre histoire vous amène à voir tel ou tel hasard, telle rencontre, tel éblouissement, à considérer que vous êtes le sujet de tous les temps, à la fois. Hein. Voilà, donc vous allez vous repérer avec ceux qui ont côtoyé l'infini, qui ont touché l'infini, qui sont tangents à l'infini, et en général ce sont les poètes, ou les grands poètes, ils peuvent être en prose, hein, c'est pas la peine de faire des poèmes pour rien. Donc, la plupart sont très mauvais d'ailleurs, mais enfin, si vous prenez Dante, par exemple, dont je me suis occupé très tôt, vous êtes dans une dimension qui vous appelle alors à... Hein, si vous passerez par l'enfer, le purgatoire, et vous irez au paradis. Bon, l'infini, c'est très fatigant. Et voilà. Donc, non, pourquoi cette revue avec le même sous-titre littérature, philosophie, art, science, politique. Bon, vous avez la littérature alors qui tient la place principale. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose depuis telle qu'elle. Je veux prouver que la littérature pense plus qu'on ne croit. Hein, Marcel Proust pense plus qu'on ne croit, et en tout cas plus que Bergson, à cause de son implication personnelle dans sa propre vie intérieure, dans ses rêves, dans son sommeil. Le rêve joue un rôle très important dans l'expérience littéraire. Le rêve, le fantastique, l'opium dans les confessions de Thomas de Quincy, par exemple, entre autres. Donc ça pense plus que la philosophie, mais enfin ça serait ridicule de ne pas se préoccuper de la pensée philosophique. Donc bien entendu, il faut s'y astreindre. D'une certaine façon, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi c'est Hegel, un Allemand, qui a compris la Révolution française, vous voyez ? Bon, puis ça couvre un champ considérable. Et puis vous avez l'art. Bon, l'art, c'est les peintres, c'est la sculpture, la musique, etc. Tout ce qui vous touche, hein, d'une certaine façon. Et tout ça a une signification, finalement, politique. Donc vous voyez, le programme est très vaste. Nous sommes au numéro 138 bientôt de l'infini. Oui, oh merveille, pas une page de publicité. Oh, en revanche, des photographies. Vous avez par exemple dans le dernier numéro, vous avez une photographie fabuleuse de Warhol à genoux devant Alfred Hitchcock. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de l'interviewer. C'est bizarre, ne croyez-vous pas? Donc des documents. Et puis les livres de la collection. C'est un devoir éthique que d'essayer de soutenir des nouveaux auteurs. Le prochain livre, par exemple, qui paraît cette année, 2017, est un livre d'un garçon étonnant qui s'appelle Potrel. Il avait fait un livre sur Blaise Pascal, l'enfance de Blaise Pascal. Bon, alors il avait fait ça, et puis alors tout à coup il m'a apporté un autre manuscrit. Il s'occupe de Chardin. Chardin, mon cher monsieur, vous ne voulez pas vendre ça en tant qu'art contemporain, c'est-à-dire du gribouillage et des installations de peintres qui sont peintres comme moi, je suis danseur de rock, hein, non. Donc Chardin,
le silence de Chardin, la sainte réalité, il appelle ça. Alors vous voyez qu'un pichet de Chardin, un citron de Chardin, c'est ah oh, oh là là, quelle merveille. Ce qui est le plus proche de vous, que vous ne voyez pas, que vous ignorez constamment, vous parle tout à coup grâce à ce pain. C'est l'art de vivre dans la perception de ce qui vous est tendu, vous est offert. Voilà. Vous voyez les gens plongés dans leur portable en train d'envoyer des clichés. Je vous assure, j'entends les arbres se plaindre. Aucun visage ne se lève plus vers un arbre. Les arbres, les pauvres arbres ont de grandes douleurs. Personne ne les regarde plus, je vous assure. Et grands bois, vous m'effrayez comme des cathédrales. Vous hurlez comme l'orgue et dans nos cœurs maudits, chanvre d'éternel œil ou vibre de vieux râle. Voilà, Baudelaire, tout. C'est pareil. Personne ne s'occupe de poésie. Mais alors où vont-ils tous pressés comme des moutons qui ne lèvent plus la tête? Eh bien, c'est ce que Pascal vous dit, il y a là quelque chose de tout à fait étonnant. Ce sont des somnambules qui se sont racontés de ne pas penser à la mort plutôt que d'y penser. Hein. Ils ont choisi de ne pas y penser. Ils courent vers la mort avec des cris joyeux ou des bavardages fantomatiques. Vous voyez ? Donc c'est à ça que sert la littérature et l'infini, oh mon Dieu, là, dans ces foules de finis, de malheureusement, que ça n'a même pas commencé, que c'est déjà fini. Voilà, on essaye de faire sentir qu'il y a éventuellement une issue ou une richesse. Alors ce monsieur Potrel, s'il s'est intéressé, avant que de s'intéresser à Chardin, à Pascal, vous, Philippe Solers, vous aimez bien associer Pascal et Sade. Et ça me fait songer à, quand on parlait de la France moisie dans notre dernier entretien, à votre idée de la France, qui est, je crois, cette contradiction féconde entre d'une part l'exacerbation sensuelle et d'autre part la répression religieuse. C'est ça l'infini, c'est cette lutte infinie qu'on trouve sous votre plume? Il faut préciser ce qu'il en est de la singularité française. Pour quelle raison? Vous ne trouvez pas un autre pays où il existe autant d'écrivains contradictoires. Et c'est ça qui est étonnant. En France, au stupeur, il y a des gens et nous sommes avec après un siècle aux éditions Gallimard où il y a des fantômes qui s'évitent, qui ne se seraient pas serré la main, qui sont en conflit permanent. Vous avez Sartre, Camus, Aragon, Breton, quelle polémique, quel engagement. C'est alors vous avez des écrivains tout à fait contradictoires. C'est ça qui est très beau. Et qui ne se produit dans aucune autre culture. Pourquoi? Parce que le français, en tant que langue, c'est pour ça que vous avez Voltaire, mais vous pouvez avoir Rousseau aussi, c'est le pays de la Révolution. Et c'est pour ça qu'il est si pénible de le voir si abaissé, si humilié, si moisi, si flasque. Moisi est un terme encore encourageant. Hein. Ça va aller encore beaucoup plus loin. C'est le pays de la Révolution, la seule qui a eu lieu. Toutes les autres sont périssables par définition. Il s'est produit, à cause de ces singularités contradictoires, tout à coup, hein, une révolution. Une révolution, c'est pas être ensemble, en train de manifester comme ci ou comme ça avec des clichés, ou de brandir des drapeaux tricolores, ou de brandir des photographies ou avec derrière des écrans où on vous présente le dernier né de la réconciliation nationale. Non, c'est le contraire. C'est l'affrontement. Il y a aussi des penseurs français qui, singulièrement, à propos des polémiques et des luttes, n'ont cessé de penser contre eux-mêmes. Je pense à Jacques Lacan, vous avez pu assister à nombre de ses séminaires, le soutenir, l'écouter. On dit qu'il a toujours pensé contre lui-même, ce qui était une des conditions du renouvellement de sa pensée. Est-ce que vous considérez que vous pensez contre vous-même, Philippe Solers? Je me permets de vous corriger un peu, c'est-à-dire que penser contre soi-même, c'est une formule de Sartre.
Lacan ne pensait pas du tout contre lui-même. Il c'était une sorte de géant qui essayait de se libérer de ce qui lui arrivait, c'est-à-dire par c'était chez Lilliput comme dit Swift, c'est pas, il était entouré partout par des oppositions très fortes. Lacan, c'est un Français qui tout à coup, enfin, c'était pas du tout prévu au programme par la France, en effet, moisi. Vous allez lui parler de Freud, alors là, vous allez voir quel froid ça jette à table. Hein. Comme disaient les surréalistes merveilleusement, parents, racontez vos rêves à vos enfants. Voilà, ça c'est exactement ce que Lacan est venu faire d'une certaine façon beaucoup plus profonde, mais il avait affirmé une découverte que tout le monde voulait refermer. Une découverte, vous savez, c'est très très étrange. Une découverte en science, une découverte en pensée, une découverte en littérature, c'est très étrange. Personne ne l'attend. C'est pas vrai. La société ensuite récupère et dit que bien entendu c'était attendu. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas produit contre elle. Or si. Toute société n'attend pas Picasso, n'attend pas Marcel Proust, n'attend surtout pas Céline, le maudit, n'attend pas Heidegger, autre maudit qu'on exécute toutes les semaines, ou à peu près. Donc Lacan, c'était pareil. Donc il n'était pas entendu. Et alors il prenait la parole, il y avait un monde fou à ces séminaires, où j'allais joyeusement écouter quelqu'un qui pensait au fur et à mesure qu'il parlait. Et c'était d'une virtuosité. C'est le plus beau théâtre que j'ai vu de ma vie. Enfin, quelqu'un qui pense. Philippe Solers, vous évoquez le cas Louis-Ferdinand Céline. Et vous avez pu, dans Complot, récemment, lui consacrer un article, un chapitre. Vous évoquez Céline qui écrit « Sous l'empire de la fièvre ». Au-delà de 39 degrés, dit Céline, écrivez-vous, vous voyez tout. Alors, n'oubliez pas qu'il était médecin, hein. Comme Rabelais, médecin. Mais quand il dit on voit tout, c'est-à-dire qu'on devient enfin lucide quand on délire. C'est ça qu'il veut dire. Le délire apporte son invention. Et vous avez des souvenirs comme ça de moments de fièvre? Constamment, oui. J'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade d'abord pour rester chez moi et pour ne pas aller au lycée. Je faisais les devoirs rapides que je copiais sur mes copains qui avaient la gentillesse de me les passer. Je me suis toujours débrouillé comme ça. J'ai toujours triché avec la société. Mais très tôt, j'ai tout de suite compris qu'il fallait être joueur d'une autre nature. Vous voyez ? Ah oui, bien sûr. La fièvre littéraire. Non, mais la vraie fièvre à 40, hein, attention, le coma, non, des choses comme ça, oui. Le coma hépatique, je vous le recommande. J'espère que ça vous arrivera jamais. Enfin, à moins que vous ayez eu cette expérience. Mais là, c'est assez étrange, hein, parce que d'abord, vos yeux se deviennent sanglants, d'une certaine façon. Les crises d'âme, n'en plus finir, voilà, la fièvre. Ah oui. On n'est pas écrivain sur une balançoire, hein, non. Mais l'infini, c'est aussi l'infini turbulent de Michaud. Mm-hmm. C'est la drogue. Bien c'est sûr. La mescaline, c'est oui. Le peyote. Oui. C'est quoi votre drogue à vous, Philippe Solers? Il y a des choses puissantes, mais que je n'utilise plus. Ce qui est curieux, c'est que je n'ai jamais été interrogé là-dessus. Un de mes livres s'appelle H. C'est quand même une déclaration, non, il me semble. C'est comme si j'avais affiché ça. Oui, ah bon, c'est assez curieux, tiens, votre truc, il n'y a pas de ponctuation. Vous avez écrit ça dans quel état, oui. Ça s'appelle H, vous savez ce que c'est? Ça veut dire hydrogène, voilà. Bon, personne ne m'a jamais interrogé sur le fait qu'il s'agissait du très bon, du magnifique. Ah... cannabis, enfin, du magnifique hashish afghan. Le afghan, avez-vous déjà vu de l'afghan? Très noir, très puissant. Les hashishins, vous savez ce que c'est, les hashishins. Les croisés étaient très étonnés qu'on leur envoie des types qui n'avaient pas peur de mourir. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou l'absence de soleil. Ils n'avaient pas peur de mourir. Hein, bon, donc ils arrivaient, ils tuaient tout le monde, et puis on les tuait.
Mais alors, ça recommençait. Les croisés, quand même, avaient un peu peur de mourir. Ils n'étaient pas sûrs de leur paradis, autrement dit. Ils ont compris que c'était le vieux de la montagne, un type, voilà. Que c'était le mot assassin. Voici venir le temps des assassins, c'est dans les illuminations de Rimbaud. C'était les hachichins, c'était des gens bourrés de cannabis qu'on envoyait comme ça au massacre. Alors, tout récemment, j'ai trouvé intéressant que quelque chose que j'ai beaucoup employé à une certaine époque, je ne prends plus, d'ailleurs ça a disparu même avec des complaisances médicales, c'était le captagon, c'est le décollage très rapide, vous gagnez 2 heures ou 3 heures, vous avez... donc ça m'intéressait. La descente, en revanche, est très pénible. Donc vous avez vu qu'il y a des tonnes de des camions qui sont passés comme ça de la Turquie vers les djihadistes, des tonnes de captagons. Autrement dit, vous avez là une série de pilules, ça dépend combien vous en prenez, tant pis pour vous. Autrement dit, vous êtes maître du monde. Vous pouvez tuer n'importe qui, n'importe quand, achever des blessés, notamment au Bataclan, par exemple. Hein. Vous tuez tout ce que vous pouvez tuer. Vous savez que vous allez mourir, mais vous vous en foutez éperdument. Vous êtes déjà dans une sorte de paradis que vous avez tout à fait envie de rejoindre dans la période de descente du produit. Parce que là, ça devient infernal. Donc, plutôt le paradis en se faisant exploser qu'aller en enfer, voyez-vous. Comme c'est simple. Alors, à propos d'enfer et de paradis... Sans être un croisé, Philippe Solers, vous assumez votre foi catholique, la seule vraie religion, comme disait encore Jacques Lacan. Suivant Pascal. Mais il y a une série télévisée récemment réalisée par le réalisateur italien Paolo Sorrentino de Young Pope, le jeune pape, qui est un pape hors norme. Vous auriez aimé être pape ? Vous avez un moment très très émouvant dans la Divine Comédie de Dante, où il est accompagné par Virgile, qui sort vraiment des siècles antérieurs. J'ai beaucoup rêvé au fait que Dante allait venir me guider, comme il a été guidé par Virgile. Vous voyez, la transmission comme ça, très bizarre. Alors, il y a un moment où Virgile peut pas aller plus loin que le paradis terrestre, parce que non, ça, c'est trop difficile. Et alors, il se tourne vers Dante et il lui dit, maintenant... Tu es guide et pape de toi-même. Voilà. Alors, si vous l'entendez comme ça, parfait. La fonction elle-même est absolument épuisante. Le pape François a dit récemment dans un avion des journalistes qui l'ont relaté, c'est un métier de fou. Vous vous rendez pas compte ce que c'est que d'être pape. Tout le monde croit que c'est un type qui se balade comme ça, en papa mobile, puis qui fait des signes. Voilà, d'abord vous risquez d'être assassiné, ce qui a eu lieu, 2 balles dans le ventre pour Jean-Paul II. Ou alors vous avez contre vous une curie tellement déchaînée que vous êtes obligé de démissionner, ce qui est arrivé à Benoît XVI, qui n'en pouvait plus, visiblement. Et maintenant, vous avez ce jésuite qui vous dit c'est un métier de fou, absolument impossible. C'est lucide, quand même, non? Donc, c'est vraiment être pape comme ça, évidemment, non. Mais alors, pour un écrivain, écrire une encyclique, ce serait épatant, Philippe Solers, non? Écoutez, je n'écris que des encycliques qui malheureusement tombent à l'eau parce que personne ne se sent concerné et ce sont des encycliques tout à fait précises, mais je préfère le terme d'encyclopédie. Voilà, ce ne sont pas des encycliques, c'est une poursuite de l'encyclopédie. Ça, c'est les dernières conversations que j'ai eues avec Barthes, justement, un grand ami, et il y avait un éditeur allemand qui voulait refaire l'encyclopédie, c'est-à-dire les Lumières. Il y a un texte de Barthes magnifique sur les planches de l'encyclopédie. Le camarade Diderot s'est occupé de tout ça avec une énergie, mon Dieu, si les Français voulaient bien se rendre compte de ce que ça a été que d'être persécuté par la cour de France, d'être obligé d'aller voir Frédéric de Prusse pour Voltaire, d'avoir été obligé de taper les cuisses de la grande Catherine de Russie pour Diderot qui a fini par acheter sa bibliothèque. Voilà des aventuriers. On fait, mais personne n'a le droit de se réclamer des Lumières, comme ça, en passant dans un discours le cliché. Personne n'a le droit, si on n'a pas mesuré à quel point c'était pas attendu. C'était des aventuriers de génie. Ben, Voltaire est un aventurier, il change d'adresse tout le temps, il écrit 10 lettres par jour de certaines officielles, d'autres secrètes, enfin, etc. etc. Diderot, même chose. Rousseau, c'est aussi, c'est quelle aventure. Enfin, la France a été
singulièrement habité par des aventuriers. Ce qu'il faut retrouver, c'est l'aventure. La vie d'un écrivain, c'est une vie d'aventurier. Alors, moi, je fais ce que j'ai pu dans différentes occasions. Et votre façon d'associer et votre foi catholique et votre foi peut-être dans les Lumières, c'est de, quand vous dites « je ne vois pas l'Apocalypse, je vois l'aurore ». C'est ça, c'est l'appel de l'aventure, de nouvelles aventures. Mais bien sûr, tout le monde vous bassine à longueur de temps sur le fait que c'est la fin du monde, l'apocalypse, vous êtes dans les années 30, tout est foutu, la France disparaît, pas du tout. L'esprit ne disparaît pas, il attend son heure, il attend d'être reconnu par ceux qui se sentent... légitimé par lui, l'esprit. Ce que dit Voltaire, il faut peser les esprits, pas les hommes. Ces gens ont cru avoir de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire pouvoir briller aussi bien en parlant qu'en écrivant. Hein, être convaincant. Pourquoi ? Parce qu'on sort la saillie, très beau mot français, à la fois sexuelle et ironique. Enfin, la saillie qu'il faut. Autrement dit, c'est un usage du langage qui est particulier et que le français favorise. D'où le fait qu'il y a eu à un moment donné, dans ce pays, une grande révolution. La grande nation, comme disaient les Allemands, vous rendez compte? Avec un conseil municipal maintenant. Je ne sais pas si c'est à la recherche d'infini, mais, et on y vient, vous vous êtes laissé attirer, comme on le dit, d'un aimant, d'une contrée magnétique par la Chine. Philippe Solers, on a en effet un poème chinois qu'on a évoqué ensemble lors de notre premier entretien qui est accroché ici à vos côtés sur le mur de votre bureau des éditions Gallimard. Il y a votre pratique du yiking très tôt et j'ai retrouvé avec amusement dans l'histoire des Francs de Grégoire de Tours sa pratique de la Bible, ce qu'il appelait à l'époque les sortes sanctorum, on ouvrait la Bible au hasard. Et puis, on prenait au hasard un verset qui nous prédisait, sinon l'avenir, qui nous aidait, qui nous guidait dans le présent. Vous pratiquez la Bible comme vous avez pratiqué le yiking, comme un outil de divination? Sur mon bureau, il y a très peu de livres fondamentaux que j'ouvre sans arrêt. Bon, alors à ma gauche, à mon extrême gauche, à mon ultra gauche, il y a l'Iliade et l'Odyssée d'un certain Homère. Je vous assure qu'on peut en lire 3 ou 4 pages par jour, c'est fabuleux. Un peu plus au centre, en effet, il y a une Bible. Alors là, les catholiques, je leur en veux, parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Là, c'est les anglo-saxons qui ont lu la Bible. Ça se passe chez leurs écrivains. William Faulkner, par exemple. Alors que les Français ne savent pas ce qui s'y passe dans la Bible. Or, c'est fabuleux, la Bible. C'est d'une cruauté, d'une violence. C'est plein d'histoires fabuleuses. Alors, un peu plus sur ma droite, j'écris là, ma droite quand même, il y a les Chinois, c'est-à-dire Chuang Tzu. Chuang Tzu, c'est des petites formules comme ça, très, 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 très belles. Il est question de l'infini, justement. Oui, c'est ça, on va pas se limiter. La voix, le Dao, voilà, c'est-à-dire la voix, vraiment voix, est autre qu'une voix constante. Alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours la même voix, mais elle n'est pas constante, donc elle change selon les situations. Toute la pensée chinoise est dans cette formule, et d'autres. C'est-à-dire que tout est question et tout se tient. La guerre, l'acupuncture, la politique, les affaires, la vie privée, tout se tient. C'est une admirable cohérence. Donc je pense qu'avec ça, vous pouvez aller assez loin. Enfin, pour l'instant, j'en suis toujours là. Hein, c'est-à-dire les Grecs, l'hébreu, hein, il faut avoir une bonne traduction, parce que Dieu sait que... voilà. Et puis les Chinois. Après ça, vous avez du sanskrit si vous voulez faire un peu de gymnastique, pourquoi pas. Mais enfin, les personnages, le personnage d'Ulysse,
il est très aimé d'une déesse en général assez froide, mais qui, à son contact de mortel, s'échauffe. Elle le protège constamment. C'est Athéna, vous savez, Athéna. Moi, je soupçonne qu'il y a eu une relation aphrodisiaque. Oh, chut, chut, chut. Entre Athéna et Ulysse. La façon dont elle le protège est tout à fait incroyable. Tout le monde ferme les yeux, parce qu'Athéna doit rester vierge, bien entendu. Vous savez qu'elle est sortie tout entière de la tête de son père, Zeus. Et mais puis, si vous êtes voilà. attaché à, si vous êtes attaché, Philippe Solaire, ça, à cet infini, à la grecque, c'est aussi pour la cosmogonie d'Hésiode, c'est-à-dire que le principe moteur, le principe fondateur, le principe qui met en mouvement tout l'univers, c'est le désir, c'est Eros. Oh, ce serait beau des discours qui commenceraient comme ça. Où en est le désir aujourd'hui? Je le trouve bien rabougri. Or, il était moisi, là il est en perte de vitesse. Mon Dieu, ce que c'est flasque et mou. Oui, bien sûr. Mais là, vous trouvez les Grecs, les présocratiques, c'est la bande terrible, Héraclite, Empédocle, les autres. Ce qui me préoccupe en ce moment, par exemple, je peux vous le dire, c'est la vie des corsaires. Par exemple, qui était réellement Surcouf? Qui était Jean Bar, qui a commencé comme un corsaire? Qui sont ces gens étranges? C'était des pirates légaux, n'est-ce pas, qui agissaient pour un gouvernement. Surcouf a fait un travail de pillage dans l'océan Indien, je vous dis que ça. Il est revenu, il est devenu armateur, très discret, et il a fait fortune. Voilà. Vous c'est vous sentez ça... corsaire, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Vous allez piller pour la plus grande gloire de la langue française, de la France? Pour la plus grande gloire de la navigation. La navigation est nécessaire. Vivre n'est pas nécessaire. La navigation est nécessaire. Non, regardez mon aventurier, là, quoi, qui est là, c'est Voltaire. Pourquoi est-ce que les Français rechignent devant Voltaire? Parce que pour les dévots, il n'était pas fréquentable, il était vraiment trop mordant. Hein. Et pour ce qu'on en rappelait la gauche, il est mort riche, tout à fait tranquille. Les Français n'aiment pas Voltaire. C'est les Anglais qui ont commencé à publier la correspondance de Voltaire. 13 volumes, en Pléiade, je vous les recommande, le matin. Prenez de la vitamine Voltaire. C'est mon conseil culturel final.